La dernière ligne droite avant la Coupe du Monde est lancée. L'équipe de France a 10 mois et 11 matchs pour convaincre. Et ça commence cet après-midi à Marseille, ici au stade Vélodrome, où nous avons le plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Fabien Galthié, bonjour. Bonjour Mathieu Lartaud, bonjour à tous. Oubliez la tournée d'été ratée en Australie. Les cartes ont été redistribuées. Philippe Saint-André et son staff veulent voir de nouveaux visages. Ce sera le cas cet après-midi. On y reviendra en détail dans quelques instants. Ce vent de fraîcheur, Fabien Galthié, était nécessaire, indispensable pour relancer la machine. Oui, effectivement, après trois saisons difficiles, un tournoi de destination terminé en quatrième position, une tournée en Australie d'été avec trois défaites, il fallait changer la donne, apporter du sang neuf, réoxygéner ce groupe pour cette dernière ligne droite, la tournée d'automne, le tournoi à destination à venir et bien sûr la Coupe du Monde en filigrane. Prenons les choses dans l'ordre. La première étape, c'est cet après-midi au stade Vélodrome, un stade qui réussit traditionnellement à l'équipe de France. 8 succès en 10 matchs. Allez, sans plus tarder, on va découvrir la composition du 15 de France cet après-midi. Avec une première ligne composée d'Alexandre Ménini, le Toulonnais, Nicolas Mas, le Montpelliérain, Guillaume Guirado au talonnage. L'attelage en deuxième ligne, Pascal Papé et Johan Maestri, du grand classique en équipe de France. Numéro 6, capitaine Thierry Dussautoir. Il encadre avec Bernard Leroux, le Clermontois Damien Chouli. C'est la 13e charnière sous l'air Philippe Saint-André. Sébastien Thiousbord, le Toulonnais, associé au Clermontois Camille Lopez. Au centre, ce sont ses grands débuts révélations de la saison avec le Racing, Alexandre Dumoulin, associé à Wesley Fofana. À l'arrière, deux des trois joueurs du triangle débutent eux aussi, Scott Spedding, Teddy Thomas et Johan Huget, fait sa 31e sélection ce soir face à une équipe fidjienne redoutable. 9 joueurs sur 15 évoluent en France, 6 en top 14 et 3 en pro D2. C'est le cas notamment de ce talonneur de Narbonne, Koto, encadré de Mahafou et Saolo. L'attelage en deuxième ligne, Nakarawa et Ratouni Yarawa. Une troisième ligne 100% top 14, le capitaine fidjien, joueur de Montpellier, Kera, Wakani Bourotou, le briviste, et Massi Matadigo, le lyonnais. À la charnière, on retrouve Matawalou, le joueur de Glasgow, associé à Raloulou. Paire de centre très puissante avec le Rochelais Botia, associé à Tiko Rotuma. Un triangle de feu derrière Ratini, 9 essais en 9 matchs avec Grenoble cette saison. Vautou, le joueur de Perpignan, et Talibula, l'arrière, joueur de l'UBB. Il fait ses grands débuts cet après-midi en équipe de France. Il a appris sa sélection de la bouche de Patrice Lagisquet la semaine dernière. Il est sud-africain d'origine, Scott Spedding. Ils sont trois joueurs à zéro sélection dans la ligne de trois quarts. Alexandre Dumoulin, grande révélation du top 14 avec le Racing Métro. Et son partenaire de club, Teddy Thomas, 14e ailier testé par Philippe Saint-André, voudra se faire une place au soleil cet après-midi à Marseille. Et ils auront du boulot parce qu'en face, ils sont imprévisibles, ces Fidjiens, comme bien souvent, Fabien, avec Taleboula, traditionnel ailier à l'UBB, mais titularisé à l'arrière ce soir. Qui joue parfois à l'ouverture, qui joue parfois au centre, à l'arrière, vous l'avez dit, à l'aile à l'UBB. C'est un joueur qui a un talent extraordinaire, qui est souvent décisif pour son équipe de Bègles Bordeaux et qui porte le danger partout sur le terrain. Quelle magnifique enceinte que ce stade Vélodrome qui accueille donc ce premier test match de l'équipe de France. 45 000 supporters sont attendus ici pour supporter ce 15 de France. Et sans plus tarder, on va plonger, nous, dans le grand couloir qui mène ici au stade pour découvrir les Fidjiens qui sortent de leur vestiaire. Des Fidjiens, on disait, réputés, Fabien Galthié, pour leur jeu de ligne, notamment derrière. La grande interrogation, c'est sur l'organisation collective de cette équipe, comme souvent. Ah, ce sont des joueurs qui ont un talent individuel énorme et qui ont souvent des problèmes dans l'organisation du jeu, dans les phases de conquête, la mêlée notamment, la touche ensuite, et aussi quelques problèmes de discipline. Il leur arrive souvent de finir des matchs à 13 ou à 14 parce qu'ils ont tendance à plaquer très très haut, ce qui est interdit. Les Fidjiens qui avaient battu au mois de juin dernier l'équipe d'Italie, qui était un succès marquant, le premier succès marquant contre une nation majeure du rugby mondial depuis 2007. On se souvient tous de ce match de Coupe du Monde fantastique qu'ils avaient livré face aux Gallois pour se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde. La sortie maintenant des joueurs du 15 de France, 44e capitana cet après-midi pour Thierry Dussautoir. On va maintenant vous laisser vivre en ambiance ces derniers instants avant ce match. C'est par là.
gigantesque match à suivre sur les antennes de France Télévisions au cours de ce mois de novembre. Un match qui doit permettre aux Bleus de capitaliser de la confiance avant d'affronter l'Australie la semaine prochaine au Stade de France et de conclure cette tournée face à l'Argentine. Les Fidji sont des adversaires qui conviennent bien normalement à l'équipe de France. 8 matchs, 8 victoires, mais méfiance, on vous l'a dit, cette équipe est redoutable, notamment derrière. Grosse ambiance ce soir au Stade Vélodrome pour supporter les partenaires de Guillaume Guirado qui fête sa 4e titularisation consécutive ce soir avec le 15 de France. Les deux équipes en ligne devant la tribune officielle de ce stade Vélodrome. C'est l'heure des hymnes et en l'honneur de l'équipe des Fidji. God bless Fidji. C'est tout. Cette hymne fidjien. Il faut imaginer cette petite île perdue au milieu du Pacifique qui est capable de produire des joueurs de rugby jouant au plus haut du rugby mondial. Hein. 80 000 licenciés pour une population de 900 000 habitants. Maintenant, c'est l'heure de la Marseillaise. Du 15 de France cet après-midi présent sur cette pelouse du Vélodrome. Elle aussi fait sa première sélection avec l'équipe de France Télévisions. C'est Clémentine Sarla. Bonsoir Clémentine. Bonsoir, bonsoir à tous. Et oui, je suis solidaire avec ces rookies de l'équipe de France. Alors, condition idéale ici à Marseille dans cette nouvelle enceinte, ce fabuleux Vélodrome. Sachez pour le toss, c'est bien que c'est l'équipe de France qui l'a remporté. Ils engageront donc pour tout de suite et bien mettre la pression sur les joueurs fidjiens. Je vous propose de regarder en live le Sibi. Ah oui, il ne faut surtout pas manquer ça, la danse traditionnelle guerrière des fidjiens. Le fameux Sibi emmené par le capitaine, joueur de Montpellier, Akapoussi Kera. Yeah. Right to my life.
Voilà pour le Sibi des Fidjiens, on vous le disait, à 10 mois de la Coupe du Monde. Il est temps de marquer son territoire de grande nation. L'ont déjà fait cet après-midi, Fabien Galthié. Notre futur adversaire, l'Australie, a battu cet après-midi le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande est allée s'imposer à Twickenham contre une belle équipe d'Angleterre. Vous retrouverez ces images évidemment demain dans Stade 2. 20-15, victoire All Black cet après-midi à Twickenham. Voilà, c'est du grand rugby que nous sortent ces équipes qui viennent en tournée au mois de novembre, défier les équipes européennes, les Australiens, les Sud-Africains et les All Blacks. À un degré moindre, bien sûr, les équipes du Pacifique comme les Fidji, les Tonga, les Samoa. Mais c'est du spectacle et du beau rugby. Et on a découvert l'arbitre du match, le Néo-Zélandais Glenn Jackson. Et on découvre ici en gros plan les nouveaux maillots du 15 de France. Inspiré, m'a-t-on dit, de maillot qui était le leur en 95 lors de la Coupe du Monde. Vous y étiez, Fabien Galthié. Premier ballon récupéré par les Fidjiens à la libération. On retrouve Matawalu. Et un ballon tout de suite qu'on a essayé d'écarter sur les extérieurs, mais il a été récupéré par les joueurs de l'équipe de France. Tius Board, et un premier ballon intéressant à négocier dans les 22 mètres. Ah oui, c'est un bon turnover, comme on dit, un bon changement de main. Le Fidjien qui était en position d'attaque, on a mis du tas sur passer en position défensive. C'est aux Français maintenant de profiter de ce temps fort d'emblée. Damien Chouli a créé un point de fixation. Le renversement maintenant de Tius Board pour servir Johan Maestrio près de la virulence sur les zones de rock de la part des avants français. Tius Board libère pour Camille Lopez. La passe au pied pour Teddy Thomas. Elle est millimétrée. Et un début de match idéal pour le 15 de France. Essai, premier essai international de Teddy Thomas. Après seulement une minute de jeu, on va attendre la confirmation sans doute à la vidéo. Aucun doute. Oui, mais est-il parti sur la même ligne ou derrière son botteur, c'est ce que va vérifier dans quelques instants Monsieur Jackson. Il a bien posé le ballon dans la butte, ça c'est certain. Position d'enjeu sur ce plan large, on ne le verra pas. En tout cas, il n'y a pas de doute, il n'a pas le pied en touche, il pose bien le ballon au sol. Sur la zone de réception, dans la butte, pas de problème, c'est sur ce plan large, regardez. Là, il y a peut-être en jeu. Il est peut-être un petit peu devant. Peut-être en jeu, c'est... vous avez raison. Pas signalé par le juge de touche. Il demande la ligne, mais c'est bon, c'est la position d'enjeu au départ. Il faut bien sûr que Teddy Thomas soit situé derrière les appuis du joueur qui possède le ballon. Stop à ce moment, quand le ballon quitte. Oh, c'est la même ligne. Là, là. Il est légèrement en hauteur, on va dire. C'est ça, légèrement en hauteur, ça nous conviendrait bien, mais je ne suis pas certain que ce soit la décision de M. Jackson, on l'écoute. Il est en discussion avec Stéphane Open, l'arbitre vidéo qui revisionne ces images. Évidemment, le public ici au Vélodrome s'impatiente. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée sur ce ralenti. Il veut le revoir, ce ralenti d'ailleurs, Monsieur Jackson. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Allez, c'est accordé, voilà la décision. Premier essai international pour Teddy Thomas. Il en a inscrit 4. En 8 titularisations avec son club, le Racing Métro 92 en top 14. Il ne lui a fallu qu'une seule minute pour frapper. Et l'équipe de France débute idéalement ce test match. C'est un joueur qui explose littéralement cette année, qui avait déjà démontré au Biarritz Olympique les années précédentes son potentiel. Mais là, à 21 ans, il a pris une dimension hors norme. La tentative de transformation manquée par un Camille Lopez. 5-0, en tout cas ce que nous disait Clémentine à la prise d'antenne. Les joueurs français voulaient mettre la pression d'entrée sur cette équipe fidjienne. Eh bien, c'est réussi avec cet essai de Teddy Thomas. On ne peut pas commencer mieux. Coup d'envoi, changement de bain. Ballon perdu par les Fidjiens, très bien exploité par les Français. On a décidé de se mettre de manière écartée du côté fidjien. Mix, donc il y a 3 possibilités. Les Français sont obligés de couvrir tout le terrain direct. Ouais, mal tapé ce renvoi côté fidjien par Taleboula et ce sera donc une mêlée au centre du terrain. On ne peut pas passer à côté d'un tel potentiel. Ce sont les mots de Patrice Lagisquet cette semaine à l'égard de Teddy Thomas. 14e ailier testé sous l'ère Philippe Saint-André, je vous le disais, il a tout pour s'imposer en équipe de France. Il est jeune, il a des appuis, de la vitesse.
et il a déjà inscrit un essai. Alors, première mêlée du match, on attend un ballon. 21 ans, un essai après 2 minutes de jeu. Perd pas de temps, hein, Teddy Thomas. Bonne mêlée à jouer pour les Français avec deux côtés de jeu. On a positionné 4 attaquants côté introduction, Speeding et UG côté opposé. En fonction de peut-être du mouvement de la mêlée, on partira à gauche ou à droite. En fonction du déplacement défensif du demi-fidjien, on s'adaptera. Évidemment, un secteur de jeu que doivent améliorer les Fidjiens, hein. C'est John McKee, le sélectionneur néo-zélandais. C'est pas leur truc là, mais ce qu'il le disait cette semaine, c'est sûr que c'est pas trop leur exercice favori. En tout cas, en attendant, elle tient cette mêlée pour l'instant. Ça bouge pas. Et la 89 entre Chouli et Thiosbord qui retrouve 24 contre 3. Lopez dans le fermé, Fofana maintenant qui prend l'intervalle. Fofana qui résiste à un plaquage ensuite. Les Bleus sont bien dans ce début de match avec Thiosbord maintenant qui sollicite Pascal Papé. Il joue en avançant surtout. Girado à la percussion face à 2-3 Fidjiens. Il résiste au plaquage. Le talonneur toulonnais. Lopez distribue bien derrière. Premier ballon d'attaque à négocier pour Scott Spelling. Qui en chutant a commis un an d'avant. Il était pratiquement passé dans cette porte. Il a voulu sortir les bras, comme on dit, passer les bras. Et à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas totalement passé dans le dos de l'adversaire, alors on a un moment de fragilité. Il n'a pas pu dominer totalement son adversaire pour enchaîner avec une passe dans le dos. Voilà, il sort les bras, il cherche un soutien et il perd le ballon en contact. Quelle trajectoire pour ce joueur, Scott Spelling, qui a été vice-champion du monde en 2006 avec les Baby Box lors de la Coupe du Monde des moins de 21 ans en France. Il est ensuite arrivé à Brive en 2008 où il est rentré au centre de formation parce que pour pouvoir jouer pour la France et pour être considéré comme un joueur français, il faut avoir passé un certain temps sur le territoire français, hein. 3 ans exactement, ce qui le rend sélectionnable et éligible avec le 15 de France, tout comme Antonio, que l'on aura peut-être l'occasion de voir dans ce match et très certainement d'ailleurs. Et une mêlée, alors une mêlée très dangereuse des Fidjiens qui a récupéré une pénalité rapidement jouée par Matawalu, vous le disiez, ce demi-mêlée Feu Follet qui peut aussi jouer lié, on l'a vu jouer parfois lié avec Glasgow notamment en Coupe d'Europe. Les Fidjiens conservent ce ballon. Raloulou, c'est un joueur qui est un peu en dessous par rapport aux autres. Une ouverture qui est venue en roue. Il est passé Spelling. Ouais, le premier crochet de Scott Spelling et c'est encore au contact que ça se complique. Pour l'arrière français, ballon récupéré. Là, attention, ça peut aller très très vite avec Ratini en possession de ce ballon, l'ailier de Grenoble. Matawalu à la libération pour les Flying Fijians. Raloulou, le coup de pied dans le dos de Teddy Thomas, mais Scott Spelling vigilant dans ses 22 mètres va pouvoir dégager le camp de l'équipe de France ou amorcer une relance, pourquoi pas. On l'a vu très en jambes sur l'action précédente, il choisit la sécurité, il a un bon jeu au pied. C'est un de ses points forts, la capacité à faire reculer l'adversaire alors qu'il est dans ses 22 seul. Il avait cassé la défense à nouveau sur un double appui intérieur. C'est à nouveau en essayant de sortir les bras dans le dos de la défense qu'il va perdre la possession. Joueur complet, vous le disiez, Fabien, qui a joué avec les espoirs de Brive à l'ouverture. Il a été formé d'ailleurs à ce poste hein, quand il jouait au Sharks. Il évolue maintenant à l'arrière à Bayonne. Ratini, on le retrouve pour les Fidjiens qui n'arrivent pas trop à sortir de leur camp depuis le début de ce match. Et d'ailleurs, ils se font même pénaliser là par Monsieur Jackson, un ballon conservé au sol. Très bon contest d'un joueur français sur la zone plaqueur-plaqué qui a mis les mains sur le ballon en étant sur ses appuis. Ça va permettre facilement de creuser le score. Il y a une percussion, pas de soutien de la part des joueurs fidjiens. Soutien tardif et de suite, c'est Menini qui est excellent dans cet exercice-là à mettre les mains sur le ballon. Et permettre à l'équipe de France de récupérer une pénalité. Il marche sur l'eau depuis le début de la saison avec Clermont. Il a mis sur le banc Brock James, Camille Lopez, 66 points avec Clermont en 6 titularisations. Il est en grande forme et il a été justement rappelé par le staff de l'équipe de France pour occuper ce poste d'ouvreur. Vous le savez, parfois maudit. Et il passe cette pénalité. Maudit, pourquoi? Parce qu'évidemment, on pense à la blessure de François Trinduc qui doit regarder ce match et on le salue bien. Et devant son écran, fracture du tibia, il en a encore pour de longs mois.
François Trinduc et puis la blessure de Frédéric Michalak qui ont redistribué les cartes un petit peu à ce poste. Ouais, François Trinduc, il y a un mois de sa fracture, a déjà pas mal récupéré. Il travaille dur pour espérer reprendre la compétition en février. Une course contre la montre pour lui. Allez, un renvoi capté par Pascal Papé. Cette fois-ci, il était bien tapé de la part de Taleboula et les Français. Qui maîtrisent bien leur match. Hein. Oh, ils maîtrisent bien leur début de match. À l'image de ce ballon porté autour de Pascal Papé. Les Fidjiens qui sont venus légèrement en retard. Ils n'ont pas pu faire tomber là le maul français. Et là, c'est difficile d'arrêter un maul. Ouais, ça déroule et Sébastien Thiusbord. Tempo libère ce ballon pour Camille Lopez. Occupation au pied de l'ouvreur français en couverture. Il y a Taleboula. Son pied gauche. Hein. Attention, parce qu'il est capable de tout. Taleboula, il a tenté. Un petit coup de pied par-dessus Teddy Thomas, ballon récupéré par Wesley Fofana. Ouais, Teddy Thomas, il est capable de tout aussi. Hein. Ouais. Et un beau duel. Il vient de nous faire une Taleboula. Et Botia qui se fait pénaliser. Il fait souvent preuve d'indiscipline. Il a déjà reçu 4 cartons jaunes avec La Rochelle en championnat. Il est à la faute. Ouais, un joli duel. Taleboula, Teddy Thomas. Gagné par Teddy Thomas. Et le pied gauche de Camille Lopez qui pose des problèmes à la couverture. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir un gaucher, un droitier au niveau de la charnière. L'arrière a du mal à anticiper les déplacements. Et le score final de Nouvelle-Zélande d'Angleterre, c'est 24-21, me dit Philippe Lafont qui est très attentif. Depuis Paris, il a bien raison. On en était resté à 25. Ce geste de classe de Teddy Thomas. Et Botia qui n'a pas droit de mettre les mains sur ce ballon alors que le rack est couvert et terminé. Côté français, maîtrisé. Touche lancée, Guillaume Guirado. Il a sollicité Maestri en déviation et les Bleus continuent d'envoyer du jeu avec Dumoulin. On dit de lui que c'est peut-être le futur Yannick Jozion. Est-ce que la comparaison est bonne? En tout cas, il a sécurisé ce ballon et les Français qui envoient du jeu avec Scott Spedding. Coup de pied contré. Ah, c'était ce qu'il fallait faire en plus. Hein. Il n'y avait pas de couverture sur cet enchaînement. Il avait bien vu l'espace, mais contré par un Fidjien. Cette fois-ci, il est au ratage. Kera Akapoussi de son prénom. Atawalou a tapé par-dessus. Camille Lopez était bien à la réception de ce ballon. Mais on va revenir à une position de hors-jeu. Ouais, c'était une fois dans le rock. Le ballon gratté par Kera avait permis aux Fidjiens de récupérer une pénalité. L'avantage en cours et Matawalou n'a pas pu en profiter. Les Fidjiens qui sont totalement dominés dans ce début de match, hein, 8-0, ils n'ont pas dépassé la ligne de but. Il est là en arrière-plan, John McKee, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe fidjienne qui a entraîné clairement entre 2000 et 2002. Qui a constitué un staff avec pas mal d'anciens internationaux très connus. Raoul Uni, hein, l'ancien demi-mêlée de cette équipe des Fidji, qui s'occupe des arrières. Et puis Matt Cockbane, 63 sélections avec les Wallabies. Lui s'occupe des avants et c'est vrai que là le chantier est peut-être un petit peu plus grand. Seconde ligne. Ouais. Cette équipe fidjienne qui évidemment cherche à avoir des résultats probants contre de grandes nations de rugby comme la France. Premier lancé en touche pour Coteau. Ancien joueur des London Welsh qui évolue donc à Narbonne. Donc Pro D2, une bonne prise de balle en fin d'alignement. Bien démarqué sur cet appel. Un début d'alignement pour démarquer son fond d'alignement. On tente un ballon porté côté fidjien. Bien contré par les Français. Alors, c'est le jeu, pas de vitesse côté fidjien. Donc on va jouer d'abord avec les avants. Et Matawalou qui a demandé à Massi Matadigo de se détacher et de le servir maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de France. Cette action fidjienne avec Kera en possession du ballon. Il est refoulé. Placage virulent des Bleus en défense. Et pas que bien, ils sont... Il domine les contacts des Français pour le moment. Mettre les mains sur le ballon, ralentissent le jeu offensif des Fidjiens. La percussion de Nakarawa dans l'axe, le deuxième ligne voilà. De Glasgow et les Fidjiens pénalisés une nouvelle fois. Ce travail d'avant, le soutien illicite et des joueurs qui sont venus plonger et se mettre au-delà du ballon. Là, c'est première possession des Fidjiens dans les 22 Français. Un maul contré, une série d'enchaînements offensifs des avants contrés aussi qui se termine par une pénalité. Défensivement, c'est parfait ce que font les Français face à des Fidjiens qui sont totalement pour le moment impuissants dans l'organisation. Thierry Dussautoir en gros plan, je vous le disais, 44e capitana
pour lui cet après-midi. Il a dépassé déjà depuis deux matchs Fabien Pelouse qui détenait le record capitaine en équipe de France. C'est son premier match contre les Fidji. D'ailleurs, ils sont tous novices contre les Fidji, à l'exception de Guillaume Guirado qui faisait partie de l'effectif lors du match, le dernier match entre ces deux équipes. C'était à Nantes en 2010, on s'en souvient, on y avait était commenté. Fabien, d'ailleurs c'est exactement la même tournée qu'il y a 4 ans juste avant la Coupe du Monde, hein, les mêmes adversaires. On espère que ce sera une autre histoire contre l'Australie, notamment la semaine prochaine au Stade de France pour nos Bleus. Philippe Saint-André aux côtés de Patrice Lagisquet, attentif sur ce bon début de match de l'équipe de France. C'est lancé Guirado, pas droit. C'est allé vite. On a joué sur l'intention et sur la rapidité de l'exécution, mais le lancer de Guillaume Guirado était légèrement rentrant et l'arbitre était bien placé. Parfois, il tolère. Et là, il a jugé illicite. Vous savez qu'on doit lancer le ballon entre les deux alignements dans le fameux couloir qui fait à peu près 50 cm pour permettre à la défense de disputer la possession. Alors, pour l'instant, cette mêlée que l'on disait friable tient bien. Côté fidjien, ouais, on va retrouver le fameux Matawalu à l'introduction. C'est pas évident qu'ils tiennent toute la partie. C'est souvent une équipe qui se désagrège au fur et à mesure du match. Pour l'instant, ça va. Ils arrivent à sortir leur possession et leur ballon. Allez, Raloulou qui va écarter ce ballon avec son centre. Tipo Rotuma qui a préféré jouer au pied. Et la relance encore une fois de Scott Spelling qui a du gaz dans ce début de match. Cette fois, à des points dangereux comme celui-ci. Ouais, Fofana qui a servi Teddy Thomas qui repique à l'intérieur, plaqué au ballon. Très bon plaquage de Tipo Rotuma. Mais il est toujours l'avantage des Bleus avec Thiusbord. La libération sur Lopez. Pascal Papé dans la ligne maintenant. Ils se redistribuent bien les Français. Ils arrivent à sortir les ballons de manière rapide. Lopez. Oui, il y a peut-être du décalage si c'est bien joué avec Guillaume Guirado pris un petit peu haut par Nakarawa. Thiusbord. Lopez, alors que Papé est resté au sol au centre du terrain. La percussion de Menini stoppée net là par Botia. Et un sacré désosseur. Hein. Bonne conservation de Menini. Avec Kijo qui est dans le dos de la défense. Ballon rendu aux Fidjiens. Ça c'était une consigne. Hein. Ne pas trop leur rendre le ballon parce qu'ils sont évidemment d'excellents relanceurs. Mais Taleboula a bien été pris. Là, ouais, il laisse peu d'espace pour les Français. Les Fidjiens ne trouvent pas beaucoup d'intervalle et font des fautes. Et oui, on vous parlait de l'organisation collective qui fait parfois défaut à cette équipe fidjienne. Ils ont la culture du rugby à 7. Hein. Ce sont des joueurs qui gagnent pratiquement tous les tournois, notamment mondiaux à 7. Ils ont d'ailleurs remporté la première étape Gold Coast en Australie. Donc, ce sont des intuitifs qui prennent toute la largeur et qui, de par leur qualité naturelle de vitesse, d'adresse et de puissance, font la différence. À 15, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de défenseurs. Allez, j'en profite, là il y a un petit arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez toujours élire le talent d'or du match lors des matchs du 15 de France. Et pour cela, vous allez sur notre site internet francetelesport.fr et tentez de gagner un voyage avec le 15 de France pour deux personnes. Vous pourrez entre autres assister au match Angleterre-France lors du prochain tournoi destination qui aura lieu le 21 mars sur nos antennes. On a soigné Pascal Papé qui s'est blessé sur cette action-là. Il a pris l'épaule de Coteau. Bonne mêlée encore à jouer pour les Français. On retrouve la même disposition que précédemment avec un côté avec 4 3 quarts de le côté Spelling et UG dans le fermé. Le premier coup, on l'avait joué à gauche avec des passes inversées de Thiusbord. Est-ce que là, on va jouer dans le fermé? Sébastien Thiusbord qui fait son grand retour en bleu. Hein. Il n'avait plus été vu depuis un match contre l'Angleterre en 2009. Et c'est une juste récompense pour ce joueur qui a tout gagné avec Toulon ces dernières saisons. À l'époque, je crois à Castres. Exactement. C'était sous l'ère de Marc Lièvremont. Et il est associé à Camille Lopez aujourd'hui. Deux joueurs qui ont été formés à Oloron. Ah oui. C'est vrai. Marie. Et oui. Berceau du rugby. Oloron Sainte-Marie. Superbe école de rugby. Et voilà. Fidjien pénalisé sur cette première mêlée. Pénalité. C'est le gaucher fidjien qui a lâché face à Nicolas Mas et sa bonne position, sa bonne attitude. Il a plongé. Vous savez que les piliers doivent garder les épaules au-dessus du bassin pour éviter d'écrouler, comme on dit, la mêlée. Il n'a pas pu résister à la pression collective des Français, notamment la bonne position de Nicolas Mas.
Il s'est mis à la faute. Nicolas Masse revient, qui est le taulier de cette équipe de France. Et il est là, il s'accroche. Du haut de ses 74 sélections en bleu à 34 ans. Il était d'ailleurs capitaine en Australie lors du premier test match cet été. Ensuite, ça s'est un petit peu gâté. Il a été remplaçant et puis il n'était même pas sur la feuille lors du dernier match. Mais c'est bien lui qui est encore titulaire à ce poste pour ouvrir cette tournée d'automne. Tentative de pénalité pour Camille Lopez, qui a manqué tout à l'heure la transformation. Mais face au poteau, eh ben il manque aussi cette pénalité. Alors, c'est pas son style, c'est un joueur qui est assez précis en général. Bonne patte gauche. Voilà, ça permet de maintenir un petit peu à flot les Fidjiens qui pour le moment subissent totalement, que ce soit en défense ou en attaque. Ils n'ont pas l'initiative de laisser les Français qui sont en place et bien en place. Caleboula au renvoi, long renvoi dans les bras de Teddy Thomas, qui va pouvoir servir Scott Spelling, qui doit aussi assurer la succession plutôt lourde de Brice Dulin, qui est resté sur 11 titularisations consécutives avec l'équipe de France et qui a été forfait donc pour cette tournée suite à une fracture de fatigue. Ils ont du mal à combiner même derrière, ça c'est plutôt inhabituel. Les Fidjiens étouffés par la défense française. Bon ballon gagné en l'air par Taleboula. Derrière, on a vu une amorce de relance avec un léger surnombre bien fermé par les Français, qui ont d'abord glissé et puis ensuite accéléré pour les mettre en touche et récupérer la possession. Il fallait en parler du talent dans les lignes arrière fidjiennes, et le réservoir semble inépuisable. Écoutez cette liste, ils n'ont pas été retenus, ou alors ils étaient blessés, ou alors ils avaient des raisons de famille. Napoléon Inalaga, évidemment, le joueur de Clermont. Naya Salehou, le joueur du Stade Fantastique français. Fantastique joueur du Stade français. Goneva, de Leicester. Massilevou, qui vous a fait des misères hier, le joueur bréviste. Oui. Et puis on pense aussi à Koya Maïbolé devant. Ouais. Ça fait du monde. Hein. Ouais, il se prive de joueurs de cette dimension. Je ne suis pas certain que ce soit opportun, parce que on les joue en Coupe d'Europe, on les joue en Championnat de France. Ce sont vraiment des superbes attaquants. Allez, oui, un surnombre. S'il arrive à enchaîner de suite, il y a un surnombre. Wesley Fofana qui va solliciter Dumoulin. Il va vite. Stoppé dans les 22 mètres. Il a réussi à sauver la touche. Conserver et sauver la touche, c'est bien ce qu'ils font les Français. Ça leur permet de garder le temps. Il a été gratté. Gratté. Votou libère. Sikora Otuma sollicite Raloulou. Il ne trouvera pas la touche. La relance à suivre de Scott Spelling, qui voit à sa gauche Camille Lopez. Il est bien servi, Camille Lopez, le crochet extérieur, le petit jeu rasant dans le dos de Botia, qui revient en couverture pour les Fidji. Botia qui va relancer avec Matawalu. Matawalu chassé là, et il résiste à un premier plaquage, et là ça peut aller très très vite. Il a des cannes, Matawalu, le soutien de Saulo. C'est et un ballon peut-être récupéré comme un en avant Camille Lopez. Il y avait un boulevard pourtant derrière. C'est dommage, alors que Wesley Fofana semble un petit peu touché. Il a du talent, Matawalu, mais là, sur l'organisation du jeu et sur les choix, il s'est trompé, parce que côté gauche, il y avait un danger important. Alors que Fofana était touché sur ce ballon au sol, il s'est jeté pour le disputer. Inquiétude autour du centre français qui fête sa 28e sélection aujourd'hui. Il fait figure de papa dans cette ligne de trois quarts. C'est bien joué de la part de Camille Lopez. Il avait peut-être la possibilité de jouer sur l'extérieur, et derrière, on va voir un petit numéro de funambule de Matawalu, voilà. Intérieur, il est pris, hop, il ressort au milieu, il va relancer. Bien pris par Pascal Papé derrière, qui a réussi à l'arrêter, et c'est là que les Français vont pouvoir récupérer le ballon. Et là, il a pris pour aussi, lui, d'une agressivité, ce joueur. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, il a déjà reçu 4 cartons jaunes en 8 matchs de top 14 avec La Rochelle. Là, c'est encore très très limite. Cette intervention à retardement là au sol sur Wesley Fofana, qui disait cette semaine qu'il avait plutôt tendance en ce moment à voir les murs que les espaces. Même quand il prend les espaces, il prend des murs derrière avec Botia aujourd'hui. Allez, sans conséquence, il reprend sa place dans la ligne de trois quarts de l'équipe de France. On va revenir à cette mêlée à l'avantage des Fidji. Si vous nous rejoignez à la 20e minute, je vous rappelle l'essai en tout début de match. Il ne fallait pas arriver en retard ici au Vélodrome. De Teddy Thomas sur un magnifique jeu au pied de Camille Lopez. 8-0 pour l'équipe de France. Matawalu à l'introduction. Ils me surprennent en mêlée, Fabien. Ils tiennent bien pour l'instant. Et ce ballon sécurisé ici par Massi Matadigo, ancien joueur de Montpellier. J'ai eu le plaisir d'entraîner. Il y a pas mal de joueurs que j'ai eu le plaisir d'entraîner dans cette équipe.
Matadigo, Kira qui est le capitaine, Maguza, Jim Maguza qui est remplaçant aujourd'hui. Matadigo qui avait fait notamment une saison formidable l'année où Montpellier avait atteint le stade de la finale contre le Stade Toulousain, qui est désormais un joueur de Lyon. C'est un, alors on a tendance à dire ça en France, c'est un papa pour les Fidjiens qui vivent en France parce qu'il y a une vraie organisation de cette communauté. Une sorte de pasteur. Il s'occupe un petit peu de tous les joueurs fidjiens, parce qu'ils ont, il faut connaître qu'ils viennent d'une civilisation qui est totalement différente, hein, au milieu d'une île perdue au milieu du Pacifique. La civilisation européenne, ça leur pose parfois des problèmes, notamment vis-à-vis de la consommation. Ils sont friands de repas non diététiques, et c'est vrai que Matadigo avait tendance à surveiller de près tous ces jeunes joueurs. C'était une sorte de super conseiller, il tient toujours ce rôle. Et on retrouve les Français en attaque là avec Camille Lopez qui a pu servir à Spedding. Ça joue bien, ça enchaîne bien côté français. Les Fidjiens n'avancent pas en défense et laissent de l'espace, ce qui permet aux Français de se redistribuer assez facilement. L'euro mis au sol. Ou l'inversion. Très bien libéré ce ballon. Vite, vite, vite. Voilà. Lopez dans le fermé. Lopez pour Ugé qui feinte la passe sur Spedding. Ugé qui résiste au plaquage de Taleboula qui passe après contact pour Pascal Papé. Et le jeu qui se poursuit toujours dans les 22 mètres de cette équipe fidjienne. Ugé, on va le retrouver à la libération. Chouli maintenant. Temps fort à nouveau de l'équipe de France. Il faudrait concrétiser cette action et le soutien du public marseillais. Ne sera pas trop sur cette action. Thiusbord auprès avec Leroux. On travaille avec les avants dans un premier temps pour fixer et consommer des défenseurs. Et on libère avec Lopez. Peut-être une combinaison. Thiusbord, ballon contré volontairement. Ça pourrait faire carton jaune. On laisse l'avantage pour l'instant. Oui. C'est incertitude. Et Alexandre Dumoulin, très physique, très puissant, qui franchit le premier rideau. Le relais maintenant dans l'axe de Guillaume Guirado. On s'approche de la ligne, plus que 5 mètres. Thiusbord cintré là par Nakarawa. Dumoulin, on le retrouve, il est partout Dumoulin. Il y a un avantage incroyable pour les Français. Thiusbord, le petit coup de pied par-dessus qui avait été annoncé, on va revenir à une pénalité peut-être. En avant. Un en avant. Mêlé. En avant. Je ne savais pas si c'était une pénalité ou un en avant. C'est sur le plaquage assez violent. Hein. Précédemment. Les Français qui ont la possession, qui ont l'initiative, qui sont souvent limite sur le point de rupture de la défense fidjienne, qui arrive toujours à se reconstituer au dernier moment, c'est là l'en avant. Hein. Oui, un avant volontaire hein, qui aurait pu occasionner un carton jaune. Il est tolérant, monsieur Jackson, et pédagogue, puisqu'il est tout de suite allé voir le joueur fidjien responsable de cette faute. On était en train de soigner Guillaume Guirado qui s'impose hein, petit à petit mine de rien dans cette équipe de France. Je vous le disais, quatrième titularisation consécutive. Alors évidemment il profite de la blessure de Dimitri Zarzewski. Benjamin Kayser qui a été opéré des cervicales l'an dernier, mais qui profite aussi de son équipe de Toulon qui le porte et qui l'amène à progresser. Et pour l'instant, les deux équipes ont à chaque fois remporté leur mêlée sur leurs introductions. Sébastien Thiusbord. Mêlée qui progresse légèrement pour les Fidji. Du coup, on libère ce ballon et on court derrière. Lopez pour Wesley Fofana à hauteur. Wesley Fofana repris par Botia, stoppé à 3 mètres de la ligne. S'il sort vite, il y a du surnombre. Et il y a surtout Pascal Papé là auprès, découpé sous les poteaux de l'équipe des Fidji. Et les avants qui vont faire sans doute l'effort dans le sillage d'Alexandre Menini. Ouais, on a appelé les avants d'abord pour attaquer cette défense qui est en place côté fidjienne. Attention turnover, attention au contre. Oh, ça peut aller très très vite. C'est Massi Matadigo qui a permis aux Fidjiens de récupérer ce ballon qui arrive maintenant dans les bras de Ratini. La bonne libération et le jeu au pied derrière de Raloulou qui va trouver une touche sur la ligne des 10 mètres, toujours dans le camp des Fidjiens que l'on n'a pas vu à l'heure hein. Derrière ils sont pour l'instant étouffés. Et s'accroche. L'équipe de France qui domine. Ils s'accrochent en défense parce qu'ils passent du temps sur leur ligne de but. Ils ne prennent pas de points. Chaque fois, il y a une petite main, un plaquage qui permet aux Fidjiens de sauver la patrie. C'est deuxième ligne, très actif du côté des Fidji. Nakarawa, joueur de Glasgow. Ah ouais, spectaculaire aussi. Poulet. Ouais. Pascal Papé hein, qui a fait appel au staff médical et toujours à genoux. Un genou inter sur le terrain. Et c'est là qu'on va perdre le ballon sur. Le contact, belle passe à hauteur
même main comme on dit entre Lopez et Fofana. Il y a eu la possibilité de croiser aussi avec Dumoulin qui était venu appeler avec une bonne course. Je pense que Lopez avait le choix. Il a décidé de servir Fofana, mais Dumoulin avait une très bonne course aussi. C'est bien fait pour le moment ce que font les Français. On a frappé la chaussure en gauche de Pascal Papé qui va reprendre sa place dans la cage sous le regard de son entraîneur des avants, Yannick Bru. Et on va pouvoir discuter cette touche avec un lancer pour Guillaume Guirado. 25 minutes de jeu, 8-0 pour l'équipe de France qui domine et qui aimerait bien sans doute marquer un deuxième essai dans cette première mi-temps. Des Français qui sont revenus à des choses un petit peu plus simples. Hein. C'était annoncé par le staff cette semaine. Ils ont 3-4 lancements de jeu maximum sur cette tournée qu'ils doivent faire parfaitement. C'est bien. Pour moi, mettre un peu d'ordre. On en a vu deux. Deux sur mêlée. Peut-être on va avoir un à la sortie de ce maul. Souvent on construit des maules pour derrière relancer le jeu de manière efficace. On va voir comment ils vont sortir ce maul. On a droit à un arrêt. Ensuite il faut sortir le ballon. Là, il n'y aura pas le choix parce que c'est un maul arrêté. Malheureusement on ne va pas pouvoir lancer le jeu. Kiusbord pour le roux. Auprès. On met une petite couche là dans l'axe. La libération est propre pour Sébastien Tillius-Bord. Pascal Papé tout de suite bien pris par Massima Tadigo. Les Français conservent toujours ce ballon. Et on va pouvoir jouer maintenant dans le fermé avec Fofana. Il a évité de justesse. Il l'a mis dans le viseur. Hein. Wakani Gourotou. Ah ouais, le joueur de Brive, il se l'était mis dans le viseur. Menini, les plaquages sont durs. Comme souvent, et Matt Tadigo là sur ses appuis qui essaye de contester ce ballon. Les Français le conservent et la transmission n'est pas bonne. Avantage en cours pour l'équipe de France. Camille Lopez pour Johan Hugé qui revient un petit peu dans le trafic. Hugo, il y a des espaces maintenant plein champ pour Johan Hugé un petit peu seul. Il manque de soutien, il faut venir l'aider. Voilà peut-être et la transmission n'est pas bonne. On va revenir à l'avantage qui n'a pas profité selon Monsieur Jackson. Et Botia toujours aussi nerveux. Position de hors-jeu précédemment avec un avantage. Bon ben voilà, ça permettra aux Français de mettre 3 points. Hein. L'initiative est française, récompensée pour le moment par des pénalités. Je vais vous dire Fabien, heureusement que le classico entre le PSG et l'OM se joue au Parc des Princes demain soir parce que les Olympiens ne seraient pas très contents de l'état de la pelouse après 25 minutes de jeu qui a été labouré un peu partout. Pendant que Johan Hugé traversait le terrain sur cette relance et ses crochets intérieurs, il a battu un grand nombre de défenseurs. C'est à la suite de cette action que les Français ont récupéré la pénalité. Johan Hugé qui est en forme aussi. Oui, qui est sans doute l'ailier indéboulonnable, incontournable en tout cas sous l'ère Philippe Saint-André. Allez, Yannick Bru avec Clémentine. Tout à fait, alors je suis avec l'entraîneur des avants. Comment est-ce que vous qualifierez cette entame de match? Vous leur mettez beaucoup de pression mais il y a un peu de déchets. Ouais, exactement, on a marqué rapidement, ce qui était plutôt bon dans pour la confiance vu qu'on a un groupe un peu convalescent. Malgré ça, derrière, on a perdu beaucoup de ballons facilement, 3 ou 4 turnovers qui nous ont pas permis d'asseoir notre domination. Donc, faut qu'on soit un petit peu plus patient, surtout à l'approche des lignes, parce qu'on sait que les Fidjiens sont redoutables sur les turnovers. Je crois que d'avoir marqué là va nous redonner un petit peu d'élan, parce que c'est vrai qu'on a eu un coup de mou après 10 minutes bien maîtrisé. Merci. Ouais, mais les choses vont bien pour l'équipe de France. 28 minutes de jeu, 11-0. Pour l'instant, c'est propre. Ah, il est bon, faut Pascal juste Papé. Être plus décisif dans les zones de vérité. Pascal Papé est bon en l'air. Il est bon en l'air, Pascal Papé. Il est efficace. Et Tillius-Bord qui alterne bien le jeu avec ce petit coup de pied dans la boîte. Il a été gêné à la réception là. Johan Hugé. Ouais, mais bien tapé ce jeu au pied de Tillius-Bord qui permet à son équipe de sortir de son camp très vite et de récupérer en plus la possession par une touche. Pour le moment, ce que font les Français, c'est très propre. En difficulté, Keras ou. À la retombée de ce ballon, c'est propre, ils ont leur rythme, c'est tout ce soir qui donne la consigne, l'annonce, le lancement de jeu, relayé, voilà. Il y a Yannick Bru qui parlait d'un groupe convalescent, évidemment il fait référence à cette série de 4 victoires, 4 défaites de rang, hein, puisque l'équipe de France avait perdu le dernier match du tournoi contre l'Irlande au Stade de France, puis il y a eu ces 3 défaites en Australie, mais là on essaie de tourner une page et de se projeter vers cette Coupe du Monde. C'est un nouveau cycle, Fabien, 11 matchs, c'est beaucoup et peu à la fois pour se projeter sur cette Coupe du Monde en Angleterre. Ah, c'est, au niveau international, ça couvre une année, hein, entière, calendaire.
Et c'est peu parce que ça fait un match par mois. Un match par mois, c'est et c'est très espacé. Donc avec des compétitions là, maintenant une tournée novembre, 3 matchs. Cet hiver, on aura une série de 5 matchs. Et après 3 matchs, 3 test matchs, on va dire, de préparation. Et tous ces matchs, vous pourrez les suivre sur les antennes de France Télévisions, évidemment. En production, Nicolas Matawalu pour les Fidji qui tiennent en mêlée dans ce premier acte. Matadigo derrière cette mêlée justement qui essaye de s'enfuir, mais avec bien la vigilance de Damien Chouli et de Thierry Dussautoir. N'arrive pas à progresser les Fidjiens dans cette première mi-temps. De bonne montée des trois quarts français qui coupent les extérieurs. Matawalu avec un petit peu d'adresse, il a réussi à contrôler ce ballon. Ratuni Yarawa. Et le contest de Damien Chouli pénalisé par Monsieur Jackson. Alors, était-il assistant plaqueur, Fabien? Ah, c'est toujours limite. Monsieur Jackson a considéré qu'en fait, il a annoncé ruck. On a entendu ruck. À partir du moment où il annonce ruck, ça veut dire qu'il faut lâcher le ballon. Il considère que le ballon a été conservé de manière légale par l'attaquant. Et qu'il fallait donc que Damien Chouli relâche. C'est l'arbitre qui dicte sa loi dans ces zones-là. Et pour l'instant, Maître Taléboulard, on le voit juste pour taper des renvois et trouver des touches. Et c'est tant mieux pour nous parce qu'on connaît ses capacités lorsqu'il est ballon en main. 4 essais cette saison avec l'UBB. 16 essais marqués l'an dernier avec l'Union Bordeaux-Bègles en 21 matchs. Il avait fini meilleur marqueur du championnat. C'est un vrai phénomène. Jeune, hein. Très jeune, un joueur. 23 ans. Ouais. Révélé depuis 2 saisons à Bordeaux. Arrivé inconnu. À droite. Bonne déviation en touche et peut-être un premier lancement de jeu intéressant à négocier pour les Fidji dans le camp de l'équipe de France. Une version préparée, bien maîtrisée par la défense française, il y a des qualités numériques, donc pas de décalage. Mokanyu Borotou était au soutien de Votou là sur cette action fidjienne. Matawalu qui libère. Avec toujours Nakarawa très disponible. Il joue comme 3 quarts centre. Ouais. Raloulou. Oh, attention, ah, oui, il a tenté de prendre l'espace là. Il ne faut pas leur laisser des portes. Le premier enchaînement de temps de jeu et Botia qui charge tête contre tête face à Wesley Fofana et qui a perdu le contrôle du ballon et ce sera une nouvelle mêlée. C'est du brutal Botia. C'est, ah, oui. C'est le Fidjien qui est un peu atypique, on va dire. Il adore le chocolat. Mur. Le mur. Il cherche le mur pour cet enchaînement où ils ont trouvé un petit espace derrière. Transformation de jeu et Botia qui lui va chercher voilà, son vis-à-vis Fofana qui va très bien défendre puisqu'il va aller utiliser le ballon au contact avec l'aide de Jouanigé et de Leroux qui revenait en travers. Leroux dans son belle troisième ligne, vous avez une troisième ligne qui est massive au côté français, dynamique et massive avec un joueur comme le capitaine qui est plutôt un gratteur, un plaqueur et Leroux qui est plutôt un perforateur, un joueur qui porte le ballon. Bon équilibre dans cette troisième ligne avec Damien Chouli qui est assez technique, donc Dussautoir, Leroux, Chouli, c'est bien équilibré. Ouais, c'est assez complémentaire, évidemment on n'oublie pas Louis Picamol avec le Stade Toulousain qui revient en grande forme après une longue période d'indisponibilité. On a parlé d'un éventuel retour, pourquoi pas, d'Imanol Arinardo qui fait le aussi gros match avec le Stade Toulousain. Est très performant. Il y a abondance de biens en équipe de France à ce poste et c'est tant mieux. Année de Coupe du Monde, voilà, pénalité. Ils sont probablement pas trop mal, mais vous voyez, au fur et à mesure que le temps s'égrène, ils commencent à se mettre à la faute, un peu fatigués, un peu usés. Comme la pelouse du Stade Vélodrome, le jardinier aura du boulot à la mi-temps. Et les Français ressortent tranquillement de ce premier temps fort de Fidjiens. Bonne défense, mêlée, pénalité, possession, touche. C'est propre ce que font les Français pour le moment. Ouais, et puis un jeu au pied d'occupation qui est bon avec le pied gauche de Camille Lopez. On a vu Scott Spedding aussi qui pouvait être très précieux dans ce secteur. Ouais, il y a du pied là, il y a du pied. Une touche intéressante à jouer sur la ligne médiane pour l'équipe de France. Il y a la lourde responsabilité de faire oublier Brice Dulin qui a été il ne le fera pas oublier, le meilleur joueur français la saison passée. Ouais, qui fait partie des titulaires. C'est un mole. Essayer de les attaquer dans l'axe. Bon mole, il va falloir qu'ils se mettent à la faute s'ils veulent arrêter ce ballon porté, les Fidjiens. Ouais.
qui s'écroule un petit peu sur la fin. Thierry du sautoir libère bien ce ballon à la disposition de Sébastien Thiousbord et on enchaîne, on continue, on insiste avec les avants et Nicolas Mas. Thiousbord, la deuxième vague est prête avec Menini. Un peu de vitesse maintenant avec Bernard Leroux qui prend le centre du terrain dans cité Dumoulin. Qui apporte sa puissance, ouais. Dumoulin. Leroux, on va peut-être le retrouver là. Non, c'est finalement Chouli qui est choisi. Leroux, il est au déblayage. Et les Français qui progressent, qui vont entrer maintenant dans les 22 mètres avec Johan Maestri. Thiousbord qui alterne bien pour l'instant le jeu. On fait les bordures avec Guillaume Guirado. Ouais, ils plaquent bien les Français. Ils reculent, ils subissent, mais ils plaquent bien. Pour le moment, c'est empêché les Français d'enchaîner. Un bloc de 3 là. On cherche d'abord un jeu d'affrontement à une passe avant de libérer le ballon sur l'extérieur. Peut-être là, ça va être un ballon. On refuse de le jouer, ça va être un jeu autre. Le drop de Camille Lopez complètement manqué. C'est étonnant que Dali Bula ne relance pas les ballons. Pour le moment, il joue un rôle d'arrière classique alors qu'il n'est pas du tout ce style de joueur. Oui, puis là il rend très facilement le ballon à Scott Spedding qui lui il va pouvoir peut-être relancer. Scott Spedding justement stoppé par Taleboula et Ratini dans un deuxième temps. Sébastien Thiousbord qui a vu la belle course chaloupée de Camille Lopez qui a pu servir Johan Huger, crochet intérieur. Il a le soutien de Wesley Fofana et les Français une nouvelle fois de retour dans le camp des Fidji. Lopez avec Menini. Une bonne première mi-temps, le pilier gauche toulonnais, ancien troisième ligne du Stade français, reconverti très vite au poste de pilier gauche. Et Dumoulin, cette capacité à jouer debout, il est très intéressant dans ce rôle-là et il a pu permettre la continuité de l'action. Chouli qui était soulevé de terre là par Ratini, c'est pas terminé pour les Français qui reviennent dans les 22 mètres. Guirado, ouais, il y a un petit écran. Contact, c'est pas mal ce que font les Français en possession, en alternance, en redistribution. Et la défense fidjienne qui subit, qui se met à la faute, mais qui pour le moment limite la casse. 11 points encaissés alors que ils ont très très peu de possession et de temps fort. Ouais, 68% de possession pour l'équipe de France. Dernier appel de cette première mi-temps. Pour élire le talent d'or du match, vous allez sur notre site France TV Sport. Et vous tentez de gagner un voyage avec le 15 de France pour aller assister au match Angleterre-France à Twickenham qui aura lieu le 21 mars prochain. Gros plan sur Teddy Thomas qui a débloqué l'entrée ce match. Bon look. Un look de surfeur, il vient de Biarritz. Teddy Thomas, il adore ça. Il est très relax, on l'a vu hier lors de la mise en place. Il abordait ce match avec beaucoup de décontraction. Pas de pression, il est sûr de lui. Hein. C'est quelque chose de rare à 21 ans. Quelques petits soucis, vous le soulignez tout au long de cette première mi-temps. En mêlée, là, ça commence à être dur pour la première ligne des Fidji. Une première ligne française petite, basse, compacte, qui pose des problèmes, qui pose des problèmes avec ces nouvelles règles où avant on impactait, maintenant on se pose et ensuite on travaille essentiellement sur des postures collectives. Et c'est vrai que c'est un avantage avec ces règles d'être compacte. Alors qu'avant, c'était la masse qui importait puisqu'on se jetait première ligne contre première ligne. Ces règles ont fait évoluer le travail à mêler et la technique. Et Mahfou, le pilier gauche, qui commence un petit peu à souffrir. Mahfou qui demandait d'ailleurs à sa seconde ligne de se rapprocher. Oui. Les signes, rapprochez-vous de nous, on est un peu loin. C'est un des rares joueurs à ne pas être né sur l'île des Fidji. Il est né en Australie, d'où son prénom, Campese, ça ne s'invente pas. Campesi, pour préciser, c'était des premières stars du rugby australien champion du monde en 91. Oui. Il avait été éliminé en 87 par l'équipe de France de Serge Blanco, qui lui aussi a pris de l'importance dans l'organisation aujourd'hui de l'équipe de France. Directeur du comité de suivi qui fait office de papa poule à Marcoussi, là, notamment au cours de cette semaine de préparation. Il est là pour assurer le lien entre les joueurs et les générations. C'est légal et il profite. Ramener un peu de joie de vie dans cette équipe. C'était aussi un peu le message de Jean-Pierre Rive dans le Midi Olympique Magazine cette semaine, qui a accordé une magnifique interview à notre confrère.
qui disait « Soyez heureux, monsieur, d'être en équipe de France ». C'est vrai qu'on avait un petit peu perdu de vue cette notion-là avec ces Bleus qui s'étaient installés dans une forme de morosité depuis 3 ans. Oh, le contre encore, le contre fut bien intéressant, touché. Et les Français vont peut-être... les Français ont regagné le ballon grâce à une bonne pression collective et un contre-ruck. Et la touche fidjienne, elle a vite, elle est capable de contrer ce ballon-là. Il a démarré plus vite que Damien Chouli. Passer la main, ça va faire, on va la taper. Oui, c'est la mi-temps, Fabien, c'est la dernière action. Romain Telet qui, évidemment, conseille les buteurs du 15 de France, apporte le tee à Camille Lopez qui n'a pas toujours été en réussite au pied au cours de cette première mi-temps. C'est pas dans ses habitudes. Et il va sans doute avoir à cœur de réussir cette dernière pénalité juste avant la pause pour donner un matelas confortable à une équipe de France dominatrice. Il a manqué quelques occasions et peut-être un peu de patience, c'est vrai, près des lignes, comme le disait tout à l'heure Yannick Bru au micro de Clémentine Sarla. Allez, tentative de pénalité. Lopez, à plus de 35 mètres des poteaux fidjiens. Ça part bien juste au-dessus de la barre. Ça passe et l'équipe de France à la pause mène de 14 points, 14-0, grâce notamment à un gros début de match et un essai de Teddy Thomas d'entrée, Fabien. Oui, une belle diagonale au pied, parfaitement adressée, un équilibre de funambule. Teddy Thomas qui, en pleine extension, va s'utiliser le ballon et plonger dans l'embute. Allez, on va se le revoir au ralenti cet essai si vous nous rejoignez à la pause. Hein, c'est parti très très vite avec une passe millimétrée de Camille Lopez, l'ouvreur du 15 de France cet après-midi. On a eu un petit doute à un moment pour savoir s'il était parti derrière le botteur Teddy Thomas, mais on va le revoir sur cette action. Ouais, Fabien, Camille Lopez qui est à hauteur, dirons-nous. Qui anime bien le jeu, qui d'abord envoie le jeu de gauche à droite, profite d'un travail de ses avants, ensuite sur une première passe de Tillousbord, et puis là, sans porter le ballon, il va adresser une passe au pied millimétré sur Teddy Thomas qui est en pleine extension avec un super timing à venir toucher le but. Difficile de faire mieux. Une minute en bleu et un essai pour Teddy Thomas. À la mi-temps, l'équipe de France mène de 14 points, 14-0. Petit détour par la régie pub et on se retrouve très rapidement ici au Stade Vélodrome. Retour dans ce magnifique écrin du Stade Vélodrome où pour l'instant à la mi-temps l'équipe de France mène 14-0 contre les Fidji. On va tout de suite aller voir ce qui s'est passé au cours de cette mi-temps dans les vestiaires parce qu'on a des caméras embarquées, les fameuses paluches de Fred Godard, pour voir deux styles très différents, hein, à la mi-temps avec un vestiaire français très ordonné, Philippe Saint-André au centre qui donne ses consignes, et puis de l'autre, eh bien, le vestiaire fidjien à droite avec McKee et ses adjoints qui délivrent un message. On les a peu vus, hein, les Fidjiens, au cours de cette première mi-temps, étouffés par une équipe de France qui a très bien entamé ce match, Fabien, qui a parfois manqué de réalisme près des lignes, mais c'est une première mi-temps encourageante. Oui, c'est pour un début de saison internationale. On a trouvé une équipe de France qui a lancé le jeu, qui a eu pratiquement 70% de possession sur cette première mi-temps, qui a dominé son adversaire, qui a réussi à marquer un essai très vite dès la deuxième minute, mais qui a manqué ensuite peut-être de concrétiser quelques temps fort. Allez, Philippe Saint-André avec Clémentine Sarla. Philippe, 14 points d'avance à la mi-temps. Comment est-ce que vous la qualifieriez, cette première mi-temps ? On va dire de moyen plus. Après, il faut continuer. Il faut un peu plus d'alternatives. Et puis, beaucoup plus de patience près des lignes. On perd deux, trois fois. On est à 1 mètre de la ligne. On perd le ballon. Il manque de soutien. Et puis, essayer un peu plus d'alterner et solliciter beaucoup plus nos trois quarts au large. Alors, quelles ont été les consignes pendant dans le vestiaire ? Déjà remarqué tout de suite, les mettre au-delà, on est à 14-0, les mettre à 19, 21 points. Après, il y aura du coaching important et puis surtout essayer de continuer à mettre de la vitesse dans le jeu. On a bien commencé et après, à un moment donné, on a beaucoup trop sollicité nos avants. Est-ce que vous avez fait un peu de coaching ? Pas pour l'instant, mais il va en avoir bientôt. Voilà. Merci. Ouais, en tout cas, la volonté du staff de cette équipe de France emmenée par Philippe Saint-André a été respectée, hein, par les joueurs français au cours de cette première mi-temps. Ils voulaient revenir à des choses plus simples, plus basiques et bien les maîtriser dans un premier temps, ce qu'ils ont fait
avant peut-être de lâcher les chevaux en deuxième. Allez, ça c'est vrai que d'après c'est dire, hein, on aurait mérité peut-être de pousser quelques ballons en plus sur les ailes, sur les extérieurs où Teddy Thomas, Johan Huger et Scott Speeding montrent du potentiel, montrent la vitesse. On a eu parfois quelques ballons exploités avec des décalages, mais en face il y a une défense fidjienne qui est souvent en difficulté, mais qui plaque dur, qui plaque fort et qui arrive à inhiber les offensives françaises. Ouais, et j'ai vu là sur un plan proposé par Fred Godard un changement côté fidjien. J'ai l'impression qu'on a fait rentrer le phénomène Nadolo, meilleur marqueur du Super 15 avec les Crusaders, 12 essais en 15 matchs au centre. Il remplace messieurs Lepani Botia de La Rochelle. Ouais, qui était un petit peu nerveux, un peu indiscipliné au cours de ce premier acte. Et Nadolo, il va falloir se méfier de lui. Sacré gabarit hein, pour un 3 quarts centre. 1m95, 125 kilos. C'est vrai qu'il se prive sur la feuille de match là, au départ hein, d'un joueur comme ça qui a fait une saison exceptionnelle en Super Rugby. Il était un petit peu blessé à la cheville, hein, Fabien. Jim Naguza qui me semble avoir un supplément de vitesse qui pourrait être un bon complément à Ratini sur l'aile opposée. Bon, ce sont des choix un peu surprenants. Et Nadolo, on va le retrouver tout de suite pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Sacré gabarit, on l'a vu avec Clémentine hier notamment buter un long moment sur cette pelouse du Vélodrome. C'est en tout cas lui qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Pour l'instant, 14-0 pour l'équipe de France. Sébastien Thiouzbord qui dégage. C'est le camp français. Pour le moment, décide de ne pas relancer les ballons. Surprenant. Surprenant, pas les boulons. Ouais, qui a été placé à l'arrière, on le rappelle, alors qu'il évolue à l'aile avec l'Union Bordeaux-Bègles. Là, il s'est trompé, là, Sébastien Thiouzbord, il le sait. C'est une touche directe concédée dans le camp de l'équipe de France. Rapidement joué, ouais, sans doute d'autres attention, peut-être ambitions. Le premier ballon pour Nadolo. Non, on ne fait pas la passe. Kiko Rotuma qui est mis au sol par Guirado, entre autres. La libération effectuée par Matawalu. Et attention, là, il y a des espaces peut-être sur les extérieurs. Avec Votou, l'ailier de Perpignan qui a été sollicité. On reprend le centre du terrain avec la percussion ici de Saolo. Les Fidjiens qui ont la possession. Et le voilà, le premier ballon de Nadolo. Ballon perdu. Non. Regagné, ouais, dirons-nous. Cette fois-ci, on a pu décaler Ratini. Ballon bien libéré, proprement. Raloulou qui lance son talonneur Coteau. Ils n'ont pas gagné un mètre sur leur offensive pour le moment. Ah, ils sont bien redistribués en défense. On joue un petit peu arrêté. On compte évidemment sur Nadolo qui peut gagner lui des 1 contre 1. Il avait tenté de passer les bras. Ça se poursuit maintenant avec Tipo Rotuma. Par des Le Queens. On est légèrement entré dans le camp de l'équipe de France. Possession stérile là, des Fidjiens qui ne progressent pas. Non. En général, si on tient le ballon comme ça pendant un certain temps sans progresser, on se met en danger. Parce qu'on perd du terrain, on ne se replace pas, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de vitesse. Et la défense peut vous prendre à contre-pied. Oui, peut-être là. Peut-être là. Avec encore Nakarawa, le deuxième ligne qui avait pu passer les bras pour Votou. Et la défense française pénalisée par M. Jackson. Il y avait un avantage encore effectivement sur la zone de ruck. Un joueur français est venu jouer le ballon. Nicolas Matawalu ici, le demi-mêlé en gros plan, joueur de Glasgow, qui avait évolué à l'aile contre Toulon l'an dernier en Coupe d'Europe. Et on revoit ici Votou qui a réussi à prendre l'extérieur et il va sanctionner le jeu au sol. De Johan Maestri, il me semble qu'il n'a pas lâché, il considère qu'il n'a pas lâché le porteur de balle. Vous savez que vous pouvez contester le ballon à condition d'avoir un moment où vous permettez au porteur de balle de bouger au sol. Il faut lâcher lorsque vous êtes plaqueur. Lui n'a pas lâché, il est resté toujours collé au porteur de balle. Alors je vous le disais hier, on l'a observé avec attention lorsqu'il s'est mis à buter lors du captain run des Fidjiens. Nadolo, il a décidé de prendre cette pénalité très difficile, hein, tout à fait en coin. À plus de 40 mètres des poteaux français, mais les Fidjiens ont envie de débloquer leur compteur dans ce match après avoir eu la possession pendant 3 minutes dans cette deuxième mi-temps. Il n'était pas en réussite à l'entraînement hier, Fabien, si ça peut vous rassurer. Ouais, je pense qu'il a de la puissance, je ne suis pas certain qu'il ait la précision, on va voir hein.
passé par Bourgoin à Dolouin. C'est parti. Il a joué en France, il a joué à Bourgoin. Et c'est bien parti et Poteau rentrant, il nous fait mentir. En tout cas, il a réglé la mire depuis hier. Et il passe les premiers points fidjiens dans ce match. France 14. Elle était pas facile. Fidji 3. Elle était pas facile pour un gaucher. Il avait largement la longueur. Elle est passée. Allez, reprendre la possession sur ce renvoi à suivre pour Camille Lopez qui a joué à Mauléon. On me l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux au cours de cette première mi-temps. On est bien tapé ce renvoi. Et un ballon récupéré dans les airs parfaitement par Tico Rotuma. Matawalu à la libération. Pour Nadolo, il fait office d'ouvreur, hein, j'ai l'impression. C'est lui qui les fait, qui tape dans le ballon, il a de la longueur sur son pied gauche. Spelling a monté une chandelle pour l'équipe de France à la réception. Damien Chouli a essayé de dévier ce ballon qui revient dans les bras fidjiens. Et là, Matéboula. Ça, c'est le danger. Taleboula qui a tenté de se lancer. Il est stoppé légèrement dans le camp de l'équipe de France. En tout cas, les Fidjiens sont revenus avec d'autres intentions. Ils veulent avoir plus de possession de balles. S'y emploie dans ces premières minutes. Avantage en cours. Il va jouer vite. Attention, il est dangereux. C'est là où il fait souvent des brèches de mille mêlées. Girado l'a stoppé, mais il y a le soutien dans l'axe de Ratini. Garawa qui fait des dégâts là dans la défense française. Le conteste peut-être de Thierry Dussautoir. Avantage toujours pour les Fidjiens. Avec un retour intérieur, un raffut de Tico Rotuma et des espaces qui se libèrent en bout de ligne. Attention, là il y a danger, il y a surtout un essai à suivre pour Ratini. La voya, la réaction. Ah, ils sont dangereux les Fidjiens, ils sont dangereux. Si vous leur laissez un peu d'espace, vous avez vu ces 2-3 manipulations notamment de la part du second de ligne Ratini Yarawa. Ratini Yarawa, ouais. Très bien. Voilà, comme on dit chez nous. Il va jouer comme un véritable trois quarts centre, passer les bras, décaler Ratini, qui lui avait ses jambes. Mais là, vous ne le rattrapez pas. Hein. Quand il est parti, vous pouvez aller chercher sur le bord de la mer. Il marque un essai par match avec Grenoble. Eh bien, il est le premier marqueur fidjien cet après-midi au Stade Vélodrome. Et il permet surtout aux Fidji de revenir complètement dans cette partie après 5 minutes en deuxième mi-temps. Tout à l'avantage des Flying Fidjians, qu'on avait peu vu. Hein, en première mi-temps sur ce style de jeu privé de ballon, eh bien il en faut pas beaucoup. Ouais, et notamment je pense que la rentrée de notre ami comme l'avait dit Nadolo y est pour beaucoup parce qu'il leur apporte plein de puissance. Alors là il est pied gauche, il est pas facile à mettre non plus celle-là. Ouais, mais sur sa lancée ça pourrait permettre aux Fidjiens de revenir à 4 points seulement de l'équipe de France. C'est parti pour Nadolo. Cette fois-ci, c'est manqué. France 14, Fidji 8 après cet essai. Dalipaté Ratine. C'est l'entrée de Winnie Antonio sur le terrain. Il remplace Nicolas Masque, que vous connaissez bien. Fabien Le Rocher, rentré donc pour sa première sélection. Eh oui, grand début cet après-midi pour un phénomène, Winnie Antonio. Pilier de La Rochelle, grand gabarit, joueur puissant. Il fait sa première sélection avec l'équipe de France, joueur d'origine néo-zélandaise. Il fait partie des 4 joueurs d'origine étrangère à avoir été convoqué en équipe de France pour préparer ses tests de novembre. Et il remplace donc le taulier Nicolas Mas au poste de pilier droit. Thierry Dussautoir en possession du ballon. Tius Board pour Teddy Thomas. Peu d'espace, mais il avance sur les appuis. Sur 2-3 appuis, il arrive à se trouver des espaces. Tius Board qui lance Bernard Leroux. Je crois que le net, là, par une bonne défense fidjienne. Ils ont très bien défendu aussi, ouais, en première mi-temps, les Fidjiens. Il perd bien le décalage. Fofana, on s'est pas compris, là, sur ce lancement de jeu. On a pris un petit pet au moral, côté français, avec cette entame de deuxième mi-temps. Difficile, hein, les Fidjiens qui ont marqué un essai, qui ont marqué une pénalité. On pensait avoir fait le plus dur. Et voilà le colosse Winnie Antonio. 96, 140 kilos. 146, il m'a dit, il a confirmé la pesée. Ah ouais. 146, il en a 96 pour un pilier droit, je peux vous dire. Et vous verrez, yeah. Il est très mobile hein, dans le jeu, ça ne l'empêche pas de... Très bon en défense, très bon sur la zone plaqueur plaqué, il gagne beaucoup de ballons au contest. Et un début d'alignement rapidement joué là par les Fidjiens. C'est bien tapé ça, je ne sais pas qui c'est qui va y avoir la lutte, mais c'est bien tapé. Ouais, il y avait Johan Ugé, mais il n'a pas contrôlé ce ballon. Un ballon récupéré par Koto, le talonneur fidjien. Finalement, ce sera une touche
légèrement dans le camp de l'équipe de France à l'avantage de qui ? Guillaume Guirado peut-être. Il y a un fortement là côté français, hein. Les Fidjiens qui ont repris confiance et les Français qui pensaient, comme disait Philippe Saint-André, en creuser un peu plus le score pour après lâcher les chevaux comme il l'a dit, mais le scénario prévu ne se réalise pas. Et méfiat comme on dit maintenant parce que ces joueurs-là ont beaucoup de talent. Lancé Guirado, l'un de ces derniers, parce que j'ai vu Benjamin Kaiser. Tout à fait. S'est chauffé. Ouais. Prochain arrêt de jeu, il y aura changement. Dumoulin, stoppé au centre du terrain. Libération. Tius Born, encore une fois. Petit problème dans le timing des courses côté français. Du coup, Scott Spelling renvoie le jeu dans les 22 mètres des Fidji. Étalé Boula, peut-être. À la relance, intervention monsieur Jackson. Attention, il va la jouer rapidement. Ah, Taleboula, il y a un boulevard devant lui. Taleboula, il a le soutien de Nadolo. Il a préféré taper à suivre. C'est pas forcément la bonne option. Et derrière, il y a un en avant. On reviendra. Il a joué pour lui. Il n'y avait pas de couverture. Il a joué pour lui. Et dans son dos, il n'y avait pas de couverture, mais il avait du monde aussi à sa droite. Hein. Ouais, pas forcément très inspiré, Taleboula, depuis le début de ce match. Heureusement pour nous. On va peut-être le revoir si Fred Godard il peut nous caler le ralenti avant cette mêlée. Et c'est vrai qu'il y avait au moins 3-4 joueurs fidjiens sur sa droite, regardez. Ça arrivait de partout. C'est vrai qu'il n'y avait pas de couverture dans le dos, mais il aurait pu aussi s'appuyer sur les extérieurs, il y avait du monde. Et du changement dans la mêlée, hein. Je vous le confirme, Guillaume Guirado. Le Toulonnais est sorti, c'est bien. Et Benjamin Kaiser, le Pierre Montois, qui prend la place du tableau. Donc deux changements en première ligne, côté français. Vous disiez tout à l'heure, Fabien, à la fin de la première mi-temps, qu'on avait une première ligne plutôt basse. Là, on prend un peu de hauteur avec Antonio notamment. On va voir comment il va se comporter à mêlée parce que, avec ses règles, c'est pas toujours un avantage, justement. Là, ça s'écroule, mais c'est du côté d'Alexandre Mignoni. Ah, il la laisse jouer, il la laisse jouer. Il est menacé Saulo. C'est le droitier qui s'est mis à la faute. Ça va permettre aux Français déjà d'avancer sur le terrain, de récupérer une touche et remettre la main sur le ballon parce que ça fait maintenant 10 minutes que c'est les Fidjiens qui jouent. C'est les Fidjiens qui ont pris la main. Ouais, on sent que cette équipe manque de confiance. C'était un des objectifs avant ce match. Retrouver un peu de sûreté dans le jeu. Ah, il a de la longueur. Hein. Il est précis. Il permet de revenir sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Fidji après 11 minutes. En deuxième période, la France ne mène que 14-8. Beaucoup de discussions dans les rangs du staff de l'équipe de France. On a vu Patrice Lagisquet avec Philippe Saint-André. Un début de touche rapidement joué. Kaiser, Thius Borg ont tenté de combiner. Alors les ballons portés, ça a plutôt bien fonctionné en première mi-temps, mais là... difficile de libérer proprement cette balle pour Thierry Dussautoir. Intervention de monsieur Jackson qui rendra une mêlée aux Français. Mêlée aux Français, ouais. Là, ne sortez pas. Alors là, on ne prend pas cette règle puisque maintenant vous savez que lorsqu'il y a un ruck, si le ballon ne sort pas, vous avez 5 secondes pour le jouer. Dans le cas contraire, il change de main ou bien c'est une faute adverse. C'est une faute adverse, donc décision un peu surprenante. Pénalité pour les Français ou bien mêlée pour les. J'aurais soufflé. Oui, mais en tout cas, ça offre une bonne mêlée. Bonne mêlée à jouer dans les 22 mètres de cette équipe fidjienne avec une introduction pour Thius Borg. La ligne de trois quarts est prête à se lancer. Et on a placé Alexandre Dumoulin en position de premier centre là sur cette attaque française, le pack français qui tente de faire l'effort, mais paquet d'avant fidjien résiste bien pour l'instant. La libération de Thius Borg pour Lopez, Dumoulin maintenant. Et l'avance franchi à chaque fois. Il a cherché à jouer une pousse avec son ailier venu du côté fermé. À 6 mètres de la ligne dans le but des Fidji, cette offensive française avec Spedding sollicité en bout de ligne. Sébastien à Thius Borg maintenant. Il y avait Winnie Antonio qui tentait de se lancer au prêt. Le relais dans l'axe de Pascal Papé, 2 mètres à faire. Et c'est dans cette zone-là qu'il faut être plus précis pour les Français. Prendre son temps, faire les choses correctement avec Leroux, peut-être à la charge. Thius Borg qui libère maintenant dans un deuxième temps. Lopez qui joue dans le dos pour Dumoulin. Il y a du décalage avec Spedding. Et le doublé de Teddy Thomas.
Il avait inscrit un essai au bout d'une minute de jeu. Il récidive en deuxième période pour remettre les Français sur deux bons rails. Il n'a pas beaucoup de, pas besoin de beaucoup d'espace. Et Thomas, sur deux foulées, il a créé la différence alors qu'il était arrêté sur ce décalage amené par Speeding et ce bon enchaînement des Français qui a balayé le terrain sur un aller-retour. Et Thomas qui, sur la dernière passe, pourtant arrêté, va créer la différence. Bien amené par Speeding qui va le décaler. Ah, c'est la course de l'arrière français qui fait la différence, qui va aller fixer le dernier défenseur. Qui élimine l'avant-dernier sur la prise de balle et qui fixe le dernier. Là, il élimine Ratini et fixe Nadolo. Puis Thomas, lui, a des débuts fracassants. Hein. Un doublé pour sa première sélection. Redoutable finisseur avec le Racing. Il le confirme cet après-midi avec les Bleus qu'on avait bien besoin là dans ce début de deuxième mi-temps, un peu secoué par les Fidjiens et l'essai de Ratini. Cet essai va faire du bien. Tentative de transformation, Camille Lopez, 3 sur 5 au pied cet après-midi. Belle, belle, belle attaque française qui a traversé le terrain par deux fois sur la largeur. Complètement passe, point. Passe. Camille Lopez qui passe cette transformation. France 21, Fidji 8, 13 points d'avance. Superbe course de Scott Speeding. On parlait de timing en première mi-temps. Il était parfait sur cette action pour aller décaler Teddy Thomas pour le deuxième essai français. Ce qui fait du bien, hein, après avoir encaissé 8-0, ça permet de creuser l'écart. Pascal Papé toujours sollicité sur les renvois, qui a fait un sans faute depuis le début du match. Premier ballon à négocier pour Winnie Antonio. Fuse board. Dans l'axe pour Camille Lopez, ballon rentré dans les 22 mètres. Pas mal d'alternance, ouais. Pas mal d'alternance. Jeu au pied haut. Et Teddy Thomas a dévié ce ballon qui est revenu dans les bras de Bernard Leroux. Bonne, côté fermé, 2 contre 1. Chouli Speeding qui est très intéressant dans ses courses au soutien, qui fait encore la différence, qui crée le décalage pour le triplé de Teddy Thomas. C'est un duo gagnant. Speeding, Thomas, troisième essai bleu. Ah, c'est bien ce que fait Speeding, hein. Bien d'abord animé par Toulouse Board qui a bien vu le côté fermé, qui a trouvé dessus tout l'espace, et ensuite Speeding qui joue parfaitement côté fermé dans les 40 mètres. Speeding qui va éliminer deux défenseurs, va accélérer, va aller chercher le dernier défenseur et décaler Teddy Thomas qu'on ne reprendra pas. Et mais tu, il faut croire que leur association en chambre à Marcoussis a bien fonctionné parce qu'il y a de la complicité entre ces deux joueurs. Exactement. Et les joueurs à zéro sélection réussissent leur grand début en bleu. Scott Speeding, Teddy Thomas. Là voilà la réussite peut-être du staff du 15 de France. Il est terminé, Speeding. Hein. Je suis français, moi, monsieur. C'est la réponse qu'il disait aux journalistes cette semaine qu'il interrogeait. Il nous avait ému la semaine dernière à Bayonne quand il avait appris sa sélection. Et sa convocation pour ce match, il est au rendez-vous, Scott Speeding. Et il a été décisif sur deux actions là en deux minutes pour un triplé de Teddy Thomas. Et un essai qui n'est pas transformé cette fois-ci, c'est le poteau. Mais la France maintenant prend le large avec cet essai, 26 à 8. Xavier Chauqui qui fait son entrée, qui remplace son coéquipier de club, le Toulonnais Benini. Quel début en bleu pour Teddy Thomas. Première sélection et un triplé. Il faudrait que je regarde un petit peu, mais je suis pas sûr que c'est arrivé très souvent. Hein, ça. Non. Bon début de Benigni aussi. Hein. C'est un parcours étonnant. Benigni qui s'est révélé à Mont-de-Marsan entre des deux au poste de pilier gauche. Et qui à Toulon a fait son trou. Un triplé fameux lors d'une première sélection. On se souvient tous de celui de Brian O'Driscoll contre l'équipe de France au Stade de France. Ouais. Il pouvait avoir la même carrière que Brian O'Driscoll. Teddy Thomas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et là, l'équipe de France est inarrêtable maintenant avec Sébastien Tillouse-Bord au relais. Après encore un excellent travail de Scott Speeding, les lignes arrière françaises qui commencent à se trouver. Et là, ça devient très, très intéressant. Ouais, Tillouse-Bord, il fait une belle deuxième mi-temps. Hein. Belle deuxième mi-temps, là, il anime parfaitement le jeu des Français. Et là, petit numéro de funambule avec Speeding dans le fermé. Les chevaux sont lâchés, enfin. Et le Vélodrome le comprend bien. Speeding est partout. Pousse au pied pour Speeding qui lui remet de suite. Retrouve l'extérieur. Là,
il va chercher peut-être le soutien latéral alors que il n'avait pas la possibilité de servir. Il a été isolé dans sa course, malheureusement pas de soutien à ça. Mais les Français ont la possession puisque Talib Boulaye est allé en touche immédiatement. La rentrée de votre joueur, Nagusa, Fabien, il remplace Ratini. Jim Nagusa. Ouais, Ratini qui a marqué l'essai fidjien, qui cède sa place à Timothy Nagusa. Un essai en 6 matchs cette saison avec Montpellier. Il en avait inscrit 10 l'an dernier. Il aussi grosse qualité de finisseur. Ah, de la vitesse. De la vitesse, ouais. Des appuis. Des appuis. Ratini qui va donc quitter ses partenaires après avoir marqué son petit essai. Hein, c'est le tarif lorsqu'il joue. Lancé Benjamin Kaiser, alignement complet pour l'équipe de France. Dans les 22 mètres des Fidji, prise de balle Damien Chouli. Un ballon porté amorcé maintenant avec Winnie Antonio. Il voit les autres réussir, il a envie d'emmener tout le monde dans l'embut. C'est fait. En avant, en avant. Ah, en avant. Quel dommage. Signalé par Monsieur Jackson. Il avait emmené toute la Maison Bleue avec lui, la Winnie Antonio, sur ce groupé pénétrant. Mais la nouvelle vague, la vague bleue, est en marche au Vélodrome, là, depuis 10 minutes. Les Bleus sont inarrêtables. Et messieurs, finalement, c'est pas Ratini qui est sorti, il y a eu une erreur. Dans c'est Vautou. C'est Vautou, exactement. Ouais, c'est Vautou. C'est plus logique, hein. Ah ouais, on voit le ballon chuter, alors que ce moment, l'avançait à une vitesse incroyable. On n'a pas pu aplatir avant. Quel dommage. Un seul problème de transmission dans ce mall entre le porteur de balle et son soutien arrière. J'ai fait la même que vous en première mi-temps, rassurez-vous, hein, Clémentine, puisqu'ils ont interverti leur maillot, Vautou et Ratini, avant ce match. Moi aussi, j'ai été pris un petit peu en première période. Mêlée à 5 mètres. Introduction à suivre pour Matawalu. Ça va au sol, ça. Et ils ont changé la première ligne entièrement, les Français, plus lourde, plus haute. Donc il faut que les Fidjiens s'adaptent au changement de morphologie de leurs adversaires. Et pour le moment, ils sont en difficulté. La première ligne qui a pris de la hauteur et surtout du poids. Allez, je vous rappelle que vous pouvez lire le talent d'or de ce match en allant sur notre site internet francetvsport.fr. Vous pouvez tenter de gagner un voyage avec le 15 de France pour aller assister au match Twickenham entre l'Angleterre et la France au mois de mars prochain. francetvsport.fr pour lire le talent d'or. On a fait décaler les deux paquets d'avant pour disputer cette mêlée. Toujours à 5 mètres de la ligne fidjienne. Des Fidjiens un petit peu asphyxiés là depuis 10 minutes. Et on prend de la place en mêlée. Hein, Antonio. Et les Français sont pénalisés pour une poussée non axiale d'après les gestes de l'arbitre. Hein, pied gauche qui serait décalé ou pied droit, je ne sais pas. Il devrait être Xavier Tchouki. Kaleboula pour dégager le camp des Fidji et Scott Spelling qui fait des débuts plus que convaincants avec l'équipe de France. Il a été décisif sur les deux essais là en deuxième période. L'image ce qu'il réalise à Bayonne. Hein. Pas de surprise, Teddy Thomas, il démontre tous les week-ends avec le Racing ses qualités. Antonio, c'est la même chose. Speeding, c'est la même chose. Ouais, c'est la politique de l'homme en forme. Le top 14 impose un tel niveau de compétences et de jeu. Ah, c'est un funambule ce Speeding. Oh oui. Un petit peu moins adroit dans le jeu au pied, mais il a des appuis terribles, Matawalu. Ce sera une touche toujours dans le camp des Fidji avec un lancer à suivre pour Benjamin Kaiser, évidemment. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments de ce match demain avec des réactions dans l'émission Stade 2 qui recevra Raymond Domenech. Demain à partir de 17h25, présentation Céline Géraud. On aura Christophe Furios aussi sur notre plateau pour venir participer au débat. Christophe Furios qui est annoncé du côté de Castres pour la saison prochaine. On lui posera la question évidemment. Et là, Spelling n'a pas pu transmettre ce ballon correctement. Problème de timing avec son ailier. Le Nugé était vraiment passé à hauteur alors que Spelling l'a cherché légèrement en profondeur. Ce qui explique la passe avorté.
il y avait aussi un bon lancement de jeu, et je pense que Sébastien Tillusbord, il aurait pu s'engager, il n'avait personne en face. Et si on revoit le lancement de jeu plus tard, on verra bien qu'il y avait un espace entre le défenseur et Sébastien Tillusbord. Ouais, bonne prise de balle là dans les airs de Nakarawa pour les Fidjiens. La passe au contact récupérée là par Johan Maestri, mais position de hors-jeu vue par monsieur Jackson. Lui, il cherche les espaces. Hein. Il aime les chercher, ces demi-mêlées. Et puis cette faculté qu'a Nakarawa à passer les bras sur chaque action. Ouais. Pour l'avoir étudié et joué avec Glasgow, il n'est jamais pris le ballon. Il arrive toujours à faire jouer. Regardez, le lancement est là, à ce moment-là. Il peut s'engager, Sébastien Tillusbord, il n'a pas osé. Pour sa première ou pour son retour, et la petite passe qui va avorter. Ouais, ça nécessite encore quelques réglages. Hein. Quand il y a trois joueurs à zéro sélection dans la ligne de trois quarts, il y a forcément quelques incompréhensions de temps en temps, mais il y a aussi des fulgurances et des belles promesses. Nadolou, il se régale, il prend tout. Il prend tout. Il souffle McKee, le sélectionneur néo-zélandais des Fidji, sans doute un peu déçu. Parce que c'est vrai que son équipe était bien revenue dans cette deuxième période, et puis en l'espace de deux minutes, tout s'est écroulé. Nadolo sur la ligne médiane qui va tenter de passer trois points de plus pour les Fidji. Encore un gros quart d'heure à jouer dans ce match. C'est parti pour Nadolo. Ouais, pas précis sur ce coup de pied. On en reste à 26 à 8 pour l'équipe de France. On va amener un peu de fraîcheur dans la première ligne fidjienne. C'est le premier changement. Mahafou laisse sa place à Yanou Tawa. Parfaitement prononcé. Je vous félicite, Clémentine. Je me suis entraînée avec vous. Hein. Pour l'entrée en jeu d'un autre joueur hein, de Glasgow. Yanou Tawa, donc, qui rentre en première ligne. Un renvoi effectué par les Français. Nadolo a pu servir Massima Tadigo, là. Qui est renversé. Oui, la conservation de ballon. Matawalou, Raloulou. Et le décalage pour Nagusa, son premier ballon. Négocié en attaque, Timothy Nagusa. Ils essayent de combiner, mais ça manque de fluidité aussi dans leur jeu. Il y avait Thierry Dussautoir pour venir récupérer ce ballon. Côté français, Sébastien Tillusbord. Il y a encore un bon fermé à négocier. Dumoulin cette fois-ci pour Teddy Thomas. Quadruplé ou pas Teddy Thomas? Il est en sous-nombre. Il y avait surtout l'intervention de monsieur Jackson. Bon, je pense pas que les Français la tapent 26 à 8. Ce qu'on aurait fait, on peut chercher à une touche pour essayer de lancer le jeu, pour travailler des automatismes, trouver des repères avant les matchs qui arrivent maintenant, puisque ce match est bien parti, hein, oui. Mathieu, 26 à 8. Très bien parti, même si c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu peur dans les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps, mais derrière, l'équipe de France a passé la seconde dans le sillage d'un excellent stop speeding. Ouais. Et d'un finisseur redoutable dans la personne de Teddy Thomas, auteur d'un triplé donc sur la pelouse du Vélodrome. Bonne activité aussi des troisième lignes. Chouli, Leroux, le capitaine Thierry Sautoir sont très présents sur toutes les zones de ruck pour relancer le jeu, pour conserver la possession. Johan Maestri a bien capté ce ballon et le soutien maintenant de tous ses partenaires de devant. Le bon travail avec ce ballon porté, de la puissance dans ce paquet d'avant, et Thierry Dussautoir qui pour la deuxième fois va finir dans l'embut avec ses partenaires, mais il n'est toujours pas d'essai. Si peut-être là auprès, le quatrième essai français, il est pour Pascal Papé. Bon travail collectif, bon molle, bonne construction. Pascal Papé qui en deux temps va marquer. Les Français qui se dirigent vers une victoire maintenant bien assise, bien maîtrisée. Quatrième essai en bleu pour Pascal Papé, qui n'était pas de la tournée en Australie, qui était bloqué du dos ces dernières semaines avec le Stade français. Il n'avait pas participé au dernier match de championnat contre l'Union Bordeaux-Bègles. Eh bien, il est là pour marquer ce quatrième essai. Finir le travail, ramasser et pointer le ballon sur la ligne de but, ça compte. Ça va donner un petit peu plus de relief à cette victoire maintenant de l'équipe de France, qui va faire du bien à tout le monde. Qui va permettre de travailler avec un petit peu plus de sérénité le prochain match contre un adversaire d'un tout autre calibre, les Australiens, qui après nous avoir battu trois fois cet été vont venir nous défier au Stade de France. Cet essai transformé
par Camille Lopez. Le score prend de l'ampleur. 33-8 maintenant pour nos Bleus. Tout à fait. Ça permet de tourner encore et de faire entrer des joueurs neufs et une première sélection à venir pour Cocotte. Et la Chouanière qui va complètement changer. Les deux castrés, Cocotte et Thalès, qui vont remplacer Camille Lopez et Sébastien Tinusbourg. On fait un bon match. L'applaudissement du public. La charnière du Castres Olympique qui remplace la charnière de Montléon. Montléon Lichard. Et en superbe fête. Et encore une histoire de première pour Rory Cocotte. On en parle depuis longtemps, hein, de Rory Cocotte en équipe de France. Et bien son heure est arrivée à la 68e minute de ce match. Lui aussi, il nous vient des Natal Sharks en Afrique du Sud. Il a posé ses bagages à Castres. En tant que joker médical. Ouais, il a été champion de France il y a deux saisons avec le Castres Olympique. Et il va constituer la charnière avec son partenaire de club Rémi Thalès dans cette fin de match pour l'équipe de France. Et ils ont peut-être pu apprécier le succès d'ailleurs des Castres cet après-midi en championnat contre Toulon à domicile avec un retour probant de Sivi Vatou. Long jeu au pied de Cocotte. Il va mettre en difficulté peut-être à la récupération les Fidjiens. Bon pressing collectif des Français. Avec UG et Cocotte justement. Sur le côté fermé, on l'a oublié. Oui, un 2 contre 2, mais il y a le déménageur Antonio qui a propulsé le Fidjien en touche. Voilà, ça a dû le libérer. Je sentais qu'il en avait envie. Ah, c'était du lourd là. Sur Ratini, hein, me semble-t-il. Ouais. Et changement avec que des joueurs de la Pro D2 puisque c'est Ratouni Yawara de Agen qui laisse sa place au Biarro Soketa. Nemir Soketa, effectivement, ancien flanqueur de Taranaki en Nouvelle-Zélande, qui évolue désormais à Biarritz. Et l'entrée en jeu d'un Bayonnais aussi. Clémentine. Je crois qu'Olivon est sur la pelouse. Ouais, il est rentré. Ah, Olivon est rentré, excusez-moi. Oh, c'est bien fait ça. On va y revenir dans quelques instants parce qu'il y a encore une belle offensive de l'équipe de France avec Scott Spedding. Toujours et encore, c'est Spedding Gonzalez. Il est rapide, il a servi Rory Cocotte. Et les Français qui insistent maintenant auprès Cocotte. On le retrouve à la libération. Des Bleus qui vont bien dans cette deuxième mi-temps. La passe au contact d'Antonio. Du Moulin maintenant. Ah, c'est bien conservé le ballon malgré la violence des plaquages fidjiens. Toujours 2-3 joueurs en protection pour relancer le jeu derrière. Et encore peut-être un bon coup à jouer là sur les extérieurs. C'est pas terminé. Scott Spedding, il a eu du mal à contrôler ce ballon. Et il est en feu là, Scott Spedding. Il a trouvé la confiance. On le trouve partout, sur les extérieurs, dans les couloirs, mais aussi à la relance, au milieu de terrain. Gros match de Scott Spedding, le Bayonnais. Et avec l'entrée en jeu de Charles Olivon, lui aussi de Bayonne, eh bien c'est la première fois depuis 1984 que l'on retrouve deux Bayonnais en équipe de France. La dernière fois, c'était Patrice Lagisquet et Péo d'Hospital. Ce plaquage de Ratini sur Cocotte. Bienvenue au club pour ta première sélection. Cocotte est solide, il n'a pas lâché le ballon. Voilà le jeune Charles Olivon. Lui aussi, hein, révélation dans ce début de top 14 avec Bayonne. De Sempé sur Nivelle. Belle région. Ouais. L'école de rugby à Sempé est venu tard à Bayonne. Champion de France Espoir. Beau gabarit lui aussi. Ancien seconde de ligne. Près de 2 mètres. C'est lui là qui transmet ce ballon à Rory Cocotte. Thalès qui attaque la ligne davantage avant de servir Dumoulin. Qui travaille debout, hein. C'est là où peut-être on peut voir la ressemblance avec Yannick Jozion. Donc bien s'enrouler autour des adversaires et faire jouer derrière. C'est le cas sur cette action avec le relais maintenant de Pascal Papé. Cocotte à nouveau pour Kaiser maintenant. Qui repique dans l'axe Kaiser et qui fait le coup de la toupie. Il a progressé. Et peut-être le cinquième essai français en préparation avec ce petit jeu au pied magnifique pour Wesley Fofana. Jeu au pied millimétré de Rémi Thalès. L'équipe de France déroule. Ah ouais, là elle récite son rugby depuis maintenant
25 bonnes minutes avec du jeu, de l'alternance, du pied, de la main. On va dans les couloirs, on joue au centre avec de la puissance. Bon équilibre dans le jeu. Les Français ont trouvé très très bon équilibre dans leur animation offensive. Et ça va lui faire du bien à lui aussi. 10e essai en bleu pour Wesley Fofana. Magnifique passe au pied de Rémi Thalès et on va atteindre la barre des 40 points maintenant. Efficace, terriblement efficace les Français. Et l'alternance, Fabien, que demandait Philippe Saint-André à la mi-temps, on l'a vu sur cette action. Ah, ils ont débloqué le match après cet essai de Ratini, ils sont totalement libérés. Là, c'est un festival. Et du coup, on amène encore de la fraîcheur puisque c'est Alexandre Flancard qui va rentrer à la place de Johan Maestri. On va vider le banc. Hein. On a vidé le banc parce que même Bastaro va rentrer. Et sortir et faire sortir pendant du moulin. Ouais, et cet essai transformé. France 40, Fidji 8. Le staff de l'équipe de France qui avait attendu le dernier moment pour annoncer les remplaçants. Flancard qui a été préféré à Vamaina rentre donc à la place de Maestri. Et Mathieu Bastaro, préféré à son coéquipier de club Maxime Mermoz, qui rentre à la place d'un prometteur Alexandre Dumoulin. Peut-être qu'un jour ce sera Alexandre Le Grand. Dans ce 15 de France en tout cas, il a le talent pour. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de sourires hein, sur le banc français. Oui, oui, une dernière demi-heure pleine de promesses. Le dernier appel pour élire le talent d'or. Je vous le rappelle, vous allez sur notre site francetvsport.fr et vous gagnez peut-être un voyage pour deux personnes avec le 15 de France. Pendant le tournoi pour aller à Twickenham, supporter les Bleus. Ah, les Fidjiens qui arrivent à peine à occuper le terrain dans cette deuxième partie de match. Prendre la possession aux Français qui sans problème pour le moment ont repris le contrôle du match. Avec une possession toujours importante, on est à plus de 65% de possession côté français. Kaiser au lancer sur cette touche dans le camp de l'équipe de France dans les 22 mètres précisément. Prise de balle impeccable de Flancard. C'est propre. Tout ce qu'ils font c'est propre. Prise de même, bon mol, bonne construction. Bon ballon porté encore avec Thierry Dussautoir qui laisse ce ballon à Cocotte Thomas le long de la ligne de touche qui a failli être découpé en morceaux par Cotto. Il en avait trois. Il a quand même réussi à se sortir. Oh, il est lancé là, Willy Antonio. Ah, il avait regardé à droite, il était prêt à rafuter son adversaire. Il en a oublié de contrôler ce ballon. Ah, mais cette passe au cordeau de Cocotte et la course à Antonio était parfaite. Alors, l'écran pour Teddy Thomas. Faute sur Teddy Thomas, je pense. En position de hors-jeu, je ne sais pas. Il était venu en hauteur et là, il avait un boulevard. C'est pas son style, parce que c'est un joueur hyper adroit. Teddy Thomas qui a un peu de crampe. Ouais. Il se fait soigner par le kiné de l'équipe de France. En parlant de Winnie Antonio, Clémentine, ses parents devaient être là aujourd'hui. Ils seront plutôt là pour le dernier match, hein, c'est ça? Oui, ils attendent un visa, je crois, pour être là pour l'Argentine. Ouais, ça fait loin de la Nouvelle-Zélande. Un petit peu, ouais. Il aura payé le voyage, évidemment, pour célébrer cette belle période pour Winnie Antonio qui était venu en France jouer au rugby pour aider aussi les siens. Il est arrivé à La Rochelle quand La Rochelle était en Pro D2 et puis voilà, la ville l'a amené à être porteur de ce maillot bleu comme Scott Spedding et aujourd'hui on peut s'en réjouir parce que ces joueurs ont mouillé le maillot comme on dit et Scott Spedding a fait vraiment des débuts très prometteurs avec le 15 de France. Un changement pour les Fidjiens avec l'entrée de Ravulo, je crois. Tous complètes, hein, c'est pas les Français. Déviation. Lancement de jeu sur le canal. Hop, 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 hop. Oh, Teddy Thomas qui a encore pu passer les bras pour Wesley Fofana et les Bleus qui reviennent à la charge près de la ligne d'en but des Fidji. Ils ne sont pas rassasiés dans cette fin de match. Et Winnie Antonio, il a fin de ballon. Cocotte auprès avec Kaiser, bien aidé par Flancard. Cocotte à nouveau. On est près de la ligne avec Thierry Dussautoir, le capitaine exemplaire aujourd'hui. Du 15 de France. Intervention de Glenn Jackson, l'arbitre néo-zélandais. Ça joue bien, les Fidjiens ont lâché
physiquement, mentalement. Et on demande la mêlée. Hein. Sous la pression et sur la bonne animation des Français, la bonne alternance. Ça ne sait plus comment faire pour endiguer ces vagues successives. Alors évidemment, Fabien, il faut peut-être relativiser compte tenu de l'adversaire du jour, mais c'est sans doute l'une des demi-heures les plus réjouissantes que l'on ait eu à commenter ces derniers temps avec cette équipe de France, et ça fait plaisir à voir. Comme on dit, ça c'est fait. Après, on verra ce qui arrivera, mais le stade ne se trompe pas, hein, le stade Vélodrome ne se trompe pas. Changement dans la charnière, messieurs, hein, puisque c'est le demi-mêlée. Matawalou, pardon, qui laisse sa place à Seniloli. Et puis, à noter, il y a eu l'entrée de Colati qui joue à Nevers et c'est le seul joueur qui joue en Fédéral 1 dans ce match. Et il y joue depuis 2006, très précisément. Colati, effectivement, pilier de cette équipe fidjienne. Alors, Ravoulo, lui, évolue en Roumanie, il est entré. Et Seniloli, lui, joue à Trévise. Il y a un gros contingent fidjien en français. Oui. Ils étaient 9 sur 15 déjà cet après-midi. Ils sont plus d'une trentaine dans notre championnat. À la première division en Pro D2, mais aussi en fédéral, comme vous venez de citer Nevers. Ouais. Ce sont des joueurs qui se plaisent chez nous. Une fois qu'ils ont réussi à s'acclimater, parce que les premiers temps sont toujours difficiles pour eux. Ils sont habitués à vivre de manière très simple. C'est vrai que civilisation européenne leur pose parfois des problèmes. Puis ils rentrent pas toujours quand ils vont faire un petit tour sur les îles. Ils ont des problèmes de visa, souvent. Parlez-en aux Agenais avec Sosoni Buka qui est rentré depuis. Cocotte, UG, qui a tendu le bras, a-t-il aplati ? Monsieur Jackson va attendre sans doute la vidéo pour valider ou non cet essai de Johan Hugé sur ce service de Cocotte. Bien joué, c'était joué à deux. La mêlée était partie en crabe, était légèrement désaxée. Cocotte n'a pas hésité, il est parti, il a battu son troisième ligne, il a décalé légèrement Johan Hugé qui a pris l'intervalle, a résisté au plaquage. Hop, il lâche le ballon. J'ai bien peur qu'il ait lâché le ballon avant qu'il ait le contact. Ouais, il va falloir ralentir encore un petit peu plus cette image. Là, maintenant, il y a peut-être une pression de haut en bas hein, quand même. Ouais. Faire une image presque arrêté là. Ouais. Là. A-t-il le contrôle du ballon et exerce-t-il une pression de haut en bas? Voilà la question. Je ne crois pas. Non, on a l'impression qu'il perd un peu le contrôle de ce ballon sur cette image. Ouais, on va laisser la décision à monsieur Péné, l'arbitre vidéo, qui est en conversation avec Glenn Jackson. Ça dépend des plans, hein. Ben oui. A priori, il contrôle pas tout à fait quand même ce ballon. Mais sur le dernier plan, on avait l'impression qu'il avait encore les doigts, qu'il n'avait pas lâché totalement le ballon. Et ça sort bien parce qu'il avait, du monde sur lui. La régie. Arbitrage vidéo en défaveur de l'équipe de France. Il ne contrôle pas le ballon. Johan Hugé au moment d'aplatir cet essai. Il reste encore 2 minutes 30 pour aller chercher peut-être un sixième essai. Ce n'est peut-être que partie remise. Les Français qui sont vraiment libérés, alors paradoxalement, après avoir encaissé un 8-0 dans cette deuxième mi-temps. Mais là, on a vu une équipe de France entreprenante, avec beaucoup de vitesse, de vivacité dans les gestes, dans les actions. C'est très encourageant pour la suite. L'effort en mêlée maintenant pour essayer de récupérer ce ballon. La mêlée qui a complètement tourné. Monsieur Jackson qui laisse jouer le conteste de Thierry du Sautoir et il va rendre. Ouais, ils sont enfermés sur la position des Français. Je pense qu'ils avaient envie de le jouer ce ballon, les Fidjiens. Ça fait plaisir une dernière fois, à 2 minutes de la fin, lancer le jeu une dernière fois. Ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps, hormis peut-être les 5 premières minutes. Ils ont marqué 8 points derrière. Derrière, ils ont subi en permanence. Et on est quasiment pile poil dans le score moyen des rencontres entre la France et les Fidji sur les 8 confrontations jusqu'à présent entre les deux nations. Je crois qu'on tournait autour de 40 à 12 pardon, sur les scores moyens. On y est. C'est un peu l'écart entre ces deux formations. Il faut dire quand même que les Fidji ont très peu de. On parle souvent des fameuses plages de préparation, des rassemblements des différentes équipes nationales.
Et Macky expliquait cette semaine que lui, il fonctionnait avec des vidéoconférences. Il n'a pas ses joueurs, évidemment, à disposition. Ils sont partout dans le monde. Pour la plupart. Beaucoup en Europe et effectivement un peu partout dans le monde. Il a très très peu de temps. Peu de moyens. Pour travailler ses rencontres internationales. Et... fédération qui a peu de moyens, qui a même été en ruine. Sa session de paiement récemment. Il vit grâce au fonds de dotation de l'IRB, hein, parce qu'il n'y a pas de championnat professionnel, il n'y a pas de droit télé au Fidji. Et les téléspectateurs de France 2 ont élu Teddy Thomas, talent d'or de ce match, auteur d'un triplé pour sa première sélection. La dernière charge peut-être ici de Kera pour les Fidjiens, étouffés dans la dernière demi-heure par une équipe agressive. L'équipe de France à l'image là de ce bon contest de Kaiser qui a récupéré ce ballon. Chioki et le jeu maintenant dans le fermé avec Thalès qui sert intérieur. UG qui a pu retrouver Flancard maintenant, ou plutôt Olivon. Cocotte avec Thalès, Antonio au centre du terrain, tout en force. Ah, le petit en avant de Rory Cocotte, mais il y avait un avantage en cours qui ne profite pas. Ah, ils veulent jouer les Français, ils veulent profiter. Joue, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est la fin, c'est la fin. Ah oui, il faut le jouer, essayer d'aller chercher un sixième essai, pourquoi pas. Scott Spelling qui se tourne vers le capitaine Thierry Dussautoir et ils vont la jouer. Voilà, c'est comme ça qu'on aime l'équipe de France. Yohann Hugé. Cocotte au près dans l'axe, le soutien main-main du G. Ils veulent terminer le travail en beauté là, les Français, dans cette fin de match. Cocotte à la libération dans le dos pour Thalès, le renversement sur Fofana qui revient dans le trafic, découpé. Et comme on l'avait dit, il y avait du trafic. Hein. Un ballon peut-être perdu. Fofana, ouais. Il a chargé sur le coup. Et là, le contre-fidjien. À venir avec Thiro Kotua qui sert à Nadolo, qui peut passer dans la chute pour Nagusa, et lui va vite. La dépate, lui. Nagusa peut-être pour un essai de 80 mètres, cadrage, débordement, il va résister au retour de Cocotte avec ce raffut, le festival de Timossi Nagusa, le joueur de Montpellier, et l'essai en contre des Fidjiens qui ravit le public du Vélodrome. On espère un sixième essai français, bien sûr, un deuxième essai pour les Fidji, signé Nagusa. Ouais, il était déçu de ne pas jouer, de ne pas être titulaire. C'était important pour lui ce match face à la France. Il avait d'ailleurs pas souhaité jouer à La Rochelle en championnat parce qu'il voulait se préserver pour ce match. Et a réussi à marquer un essai. Un petit festival parce qu'il a résisté d'abord à ce plaquage de Spelling. Il reprend ses appuis, rafut sur Cocotte. Tel qu'il est bien, il est intouchable. Hein. Comme les Fidjiens. Hein, et messieurs, inquiétude hein, pour Wesley Fofana qui est resté au sol, touché sûrement à l'épaule droite. Ouais, on va aller tout de suite s'enquérir de son état après cette transformation de Nadolo. Et voilà le score final de ce match. France 40, Fidji 15. On a eu un petit peu peur en début de deuxième mi-temps avec ce 8-0 infligé par les Fidjiens à l'équipe de France. Mais derrière, ça a été la vague bleue. Et des essais en pagaille, un triplé de Teddy Thomas, Spelling particulièrement tranchant. Ah, on a eu deux matchs, hein, on s'est régalé. Ouais, ouais. On a eu des essais, hein, on a été gâtés. Deux essais côté fidjien. Sept essais en plus, cinq essais. Cinq essais côté français. Et de beaux essais, de belles offensives. Un bon match de rugby. Je pense que le public de Marseille s'est bien régalé. Ouais, je pense aussi. Et c'est des débuts encourageants pour l'équipe de France dans cette tournée d'automne. Ce succès 40. À 15 contre cette équipe fidjienne qui maintenant, comme la tradition le veut, va sans doute se réunir pour prier d'abord les mots du capitaine et les Français qui vont pouvoir aussi se congratuler. C'est vrai que cette équipe de France a besoin de confiance et c'était peut-être le match idéal hein, pour nous lancer cette tournée d'automne. Oui, je pense que l'équipe de France a fait le match qu'il fallait pour aborder sûrement le match le plus difficile à venir, hein. L'Australie samedi prochain au Stade de France. Elle est bien, je pense qu'elle est satisfaite. Il y a
beaucoup de choses positives ce soir à retenir et beaucoup de révélations. Hein. On a parlé de ce nouveau joueur, bah, et oui. On répondu présent. Hein. Et quelle révélation, Teddy Thomas, première sélection triplée, il a été élu talent d'or, il est avec Clémentine. Félicitations Teddy, vous avez été élu talent d'or de ce match. Vous avez déclaré il y a quelques mois que vous cherchiez un club, vous n'étiez pas du tout dans l'optique d'une équipe de France et aujourd'hui, triplé pour votre première sélection. Ouais, bah déjà merci à tous les téléspectateurs. Et ben ouais, c'est vrai que au début de saison, je cherchais un club. J'ai trouvé le Racing qui m'a accueilli. Et voilà, comme j'avais dit, je voulais progresser sur certains points et partir de zéro entre guillemets. Bon, voilà, j'ai eu la chance d'être appelé dans ce groupe France qui avance très très bien. La preuve ce soir, on arrive à rendre une très belle copie, même si elle n'est pas parfaite. En tout cas, voilà, il faut féliciter tout le groupe et voilà. Très belle association avec votre copain de chambre, Scott Spedding, ça a très bien fonctionné ce soir. Ah ouais, ça a très bien fonctionné. Après, je sais pas si c'est le fait qu'on soit dans la même chambre, mais en tout cas, voilà, l'entraînement, ça marche, et bien, on le ressent sur le terrain. Comment est-ce que vous la trouvez, cette ambiance? Il y avait beaucoup de sourires ce soir. Je la sens très très bien. Voilà, il y a que des bons mecs dans ce groupe. Les nouveaux, on a été accueillis très très bien, et comme je vous ai dit, ça se ressent sur le terrain. Merci. Trois essais donc pour Teddy Thomas. Ouais, c'est la cool attitude, Teddy Thomas. C'est le nouveau visage peut-être de cette équipe de France. Le staff de Philippe Saint-André qui n'a pas hésité à lancer de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes comme Teddy Thomas, comme Scott Spedding. Et c'est un pari gagnant pour le début de cette tournée d'automne. Vous le disiez, Fabien, plein de satisfaction et des joueurs qui se sont révélés. C'est la politique des hommes en forme. Hein. Ils voulaient ouvrir le groupe. On suit maintenant 74 joueurs du côté du staff de l'équipe de France. Et parmi eux, eh bien, Scott Spedding a crevé l'écran cet après-midi. Il est avec Clémentine. Scott, première sélection en équipe de France, première marseillaise. Et quel exploit et quel beau match vous avez procuré. Franchement, toute la semaine était incroyable. Je passe une semaine incroyable. Si ça, c'est mon dernier match en équipe de France, c'était énorme. Franchement, je passe une semaine incroyable. Je suis juste content que l'équipe a gagné ce soir. Et c'était un honneur de porter ce maillot ce soir. Vos parents sont là dans le stade. Qu'est-ce que ça fait là de porter ce maillot devant votre famille? Oh, c'est quelque chose d'énorme, c'est un rêve pour moi. J'ai mes parents ici, j'ai mon frère ici. C'est le moment qui va rester avec moi pour la vie. Vous faites marquer un essai à Teddy Thomas 2. Comment est-ce que vous vous êtes senti avec lui à l'arrière? Oui, on a bien parlé ensemble. Heureusement qu'on a fini quelques mouvements ensemble. Je fais pas mal de fautes aussi. Mais oui, juste content que Teddy, pour son premier sélection aussi, il a manqué quelques essais, donc je suis très, très content pour lui. Vous vous sentez bien dans cette équipe de France? C'est incroyable, franchement, juste être ici, c'est énorme. J'espère que je peux rester ici un peu plus longtemps, mais on verra après. Il n'y a pas de raison, compte tenu du match qu'il a livré cet après-midi. C'est un joueur évidemment dont on attendait beaucoup, forcément, parce que c'est un joueur, on le rappelle, d'origine sud-africaine. Ça a fait débat, hein, la convocation de ces joueurs d'origine étrangère en équipe de France. Eh bien, ils ont tous répondu présent. On a vu aussi Rory Cocotte pour sa première sélection, très bon dans le dernier quart d'heure. Voilà, c'est de nouvelles forces vives pour le 15 de France. Pas surprenant, parce qu'on les voit jouer tous les week-ends dans le top 14. Spedding, il a joué comme il joue à Bayonne. Teddy Thomas, regardez-le, il a quelque chose d'une future star, je sais pas, il a quelque chose de particulier. Je pense qu'il va prendre la place dans le paysage du rugby français à l'avenir. Cocotte, il porte Castres depuis quelques années à bout de bras. Voilà, c'est pas surprenant, ce sont des bons choix faits par les sélectionneurs qui peuvent être satisfaits ce soir. Et ça doit ravir le capitaine Thierry du Sautoir avec Clémentine. Thierry, capitaine heureux ce soir avec ce groupe un peu remanié, nouveau. Comment vous êtes senti? Bah, on se sent très heureux parce qu'on a... C'est un match gagné déjà. Après, sur la performance, je pense que tout le monde s'est fait plaisir ce soir. Même si bon, c'est une victoire qu'il faut mettre en perspective. Mais enfin bon, avec les trois défaites qu'on avait connues en Australie, c'est bien de renouer avec la victoire. Et on a un match très très sérieux la semaine prochaine face aux Australiens qui nous ont battu trois fois. Est-ce que vous avez pris du plaisir ce soir? Ouais, je pense que tout le monde s'est amusé, le public aussi. On a essayé de jouer jusqu'au bout. Bon, malheureusement, on a été sanctionné, mais je pense que l'essentiel a été trouvé ce soir. Il y a eu de l'envie, il y a eu de très belles choses, je pense. Quel regard vous portez sur ces jeunes joueurs, notamment Teddy Thomas avec ses triplés? Ouais, c'est bien. Il a, pour sa première sélection, marqué 3 essais. Je ne sais pas si ça arrive beaucoup dans l'histoire du 15 de France. Donc, une grande félicitation à lui. Et puis, bon, l'ensemble des joueurs s'est livré sans trop se poser de questions.
Je pense que c'est ce qui c'est le mieux à faire dans ce genre de circonstances, c'est ce qu'on attendait d'eux. Maintenant, la marche sera un peu plus, bien plus élevée la semaine prochaine, donc on peut être content de ce qu'on a fait ce soir, mais tout de suite se porter vers la partie de la semaine prochaine. Merci Thierry. Oui, il ne faut pas bouder son plaisir, il faut être tout à fait content de ce match et de cette victoire. Fabien, l'équipe de France qui met fin en plus à une mauvaise série, 4 défaites consécutives avec la défaite contre l'Irlande et ses 3 défaites cet été contre l'Australie. Voilà, l'équipe de France est plein de confiance avant de recevoir, c'est vrai, l'Australie la semaine prochaine au Stade de France. Alors évidemment, les rendez-vous, me dit Cédric Baudou, ce soir avec tout le sport à partir de 20h05. Demain, rencontre à 15, Jean Abeyou qui reviendra sur cette rencontre à partir de 8h05. Et puis évidemment, on débriefera très largement cette rencontre dans Stade 2 à partir de 17h25. L'équipe de France a fait plein de confiance ce soir. On peut résumer ça comme ça, Fabien, avant la réception, je le disais, d'un adversaire d'un tout autre calibre, l'Australie. Voilà, on a assisté à un superbe match, on s'est régalé, on a pris du plaisir. Rendez-vous samedi prochain. Oui, je crois que le public de Marseille aussi s'est fait plaisir. Ils sont en train de nous envahir. Voilà, large victoire du 15 de France ce soir, 40-15 ici au Stade Vélodrome. Merci aux équipes autour de Cédric Baudou, Fred Godard à la réalisation et Olivier Chabrol à la production. Tout de suite, c'est le 20h sur France 2. Bonne soirée. La passe au pied pour Teddy Thomas, elle est millimétrée et un début de match idéal. Les Bleus sont bien dans ce début de match. Ouais, ils plaquent bien les... Lopez qui joue dans le dos pour Dumoulin, il y a du décalage avec Spedding et le doublé de Teddy Thomas. Spedding qui est très intéressant dans ses courses soutien, qui fait encore la différence, qui crée le décalage pour le triplé de Teddy Thomas. C'est comme ça qu'on aime l'équipe de France,